Je reprends quelques définitions classiques d'abord de la démocratie. Vous savez que le mot lui-même vient de des mots grecs « demos » et « kratos », signifiant « peuple » et « pouvoir ». La démocratie, c'est donc un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple, sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, à la richesse, à la compétence. En règle générale, les démocraties sont indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections au suffrage universel. Les autres fondements de la démocratie sont la liberté des individus, la règle de la majorité, l'existence d'une constitution et d'une juridiction, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la consultation régulière du peuple par élection ou référendum, la pluralité des partis politiques et, bien sûr, on vient de le voir aux États-Unis, heureusement, l'indépendance de la justice. Alors, est-ce que la technologie aujourd'hui peut améliorer ce qu'on connaît de la démocratie? On a suggéré à nos cinq invités quatre grands thèmes, quatre grandes questions à nos cinq invités que je vous présente avec plaisir. D'abord, à ma gauche, Mme Nelly Brière. Nelly Brière, qui est spécialisée en stratégie de communication numérique et médias sociaux. Donc, elle accompagne des organisations, elle donne des formations, elle élabore des stratégies pour des entreprises très diversifiées, particulièrement dans les créneaux de la mobilisation citoyenne, des médias, de la culture et de l'éducation. Elle est formatrice également à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, pour le micro-programme en médias sociaux. Elle a été stratège en communication numérique et gestionnaire de communauté pour RTV, Radio-Canada, la CSN, et elle a été directrice des communications pour Option nationale auprès de Jean-Martin Ossan. Ensuite, voilà, à ma gauche, immédiate, Thierry Giasson, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, chercheur principal du groupe de recherche en communication politique. Il est membre également de la chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires, du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique et de l'Institut technologie de l'information et société. Il est co-directeur canadien du projet enpolitique.com, une équipe franco-québécoise dont les travaux portent sur les campagnes électorales numériques. Il participe également à l'équipe Online Citizenship, citoyenneté en ligne, qui analyse les usages politiques et citoyens numériques au Canada. À ma droite, donc, Stéphane Roche. Stéphane Roche, qui est également professeur titulaire à l'Université Laval, professeur de sciences géomatiques, vice-doyen à la recherche à la faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'université. Ses travaux portent principalement sur l'étude du rôle joué par la géolocalisation sociale, les données ouvertes et le crowdsourcing, l'externalisation ouverte, dans la mise en opération du concept de ville et de territoire intelligent. Monsieur Gauthier, voilà, Jean-François Gauthier, qui depuis 2010 se spécialise dans les approches de gouvernement ouvert. D'ailleurs, il accompagne au quotidien les organisations dans leur transformation vers une gouvernance ouverte et numérique. En 2011, il collaborait avec le député, l'ex-député maintenant Henri-François Gautrin, dans le cadre du mandat qui a conduit au rapport « Gouverner ensemble », rapport donc du gouvernement québécois. En 2012, M. Gauthier fondait le collectif citoyen Démocratie ouverte, maintenant implanté en France, en Belgique et en Suisse. Ici, il rassemblait le groupe des 13 étonnés autour de l'urgence de doter le Québec d'un plan numérique. Un an plus tard, en 2013, il créait l'Institut de gouvernance numérique sous la présidence d'honneur de Michel Cartier et de Claude Bélan. Et à ma droite, à votre gauche, pour vous, M. Marc Janotte, cofondateur de votepour.ca. Avec plus de 15 ans d'expérience en affaires publiques, en sondage, en gestion de projets et en politique active, il élargissait sa conception de l'action citoyenne grâce à trois expériences concrètes, la première étant Capital Ouverte, une association qui cherche à ouvrir des données publiques de la Ville de Québec. C'est une initiative qu'il a fondée avec plusieurs autres technophiles de Québec. Et enfin, en design participatif, il a passé près de 2 ans à l'organisme de Québec Vivre en Ville afin d'améliorer son image de marque et ses actions de sensibilisation. Donc, plusieurs pratiques en urbanisme, en design urbain, qui lui ont prouvé la valeur de l'action citoyenne de proximité pour garantir une plus forte accessibilité sociale des projets. Alors, merci beaucoup à vous cinq. On va tout de suite passer, après ces longues présentations, au premier
des quatre grands thèmes qu'on vous a soumis. Le premier étant particulièrement large, on vous demande de vous prononcer sur l'état de la démocratie. Juste ça. Hein, juste ça. Et on vous suggère de le faire en 3 minutes. Est-ce que vous croyez que ce concept-là est toujours aussi vivant? Est-ce que notre démocratie est en santé? Est-ce qu'une bonne dictature, et ça c'était la question un peu vicieuse, est-ce qu'à la limite une bonne dictature pourrait valoir mieux qu'une mauvaise démocratie? De grandes questions. Monsieur Jasson, vous brûlez de répondre. Oui, allez-y, bien sûr. Lancez-vous. Moi, d'emblée, la dernière affirmation de la question me choque parce qu'il n'y a pas de bonne dictature. Ça n'existe pas. Dictature éclairée, c'est un concept faux au départ. Ça n'existe pas. Donc, il y a des démocraties qui fonctionnent bien, qui sont en vie, qui sont animées, où les citoyens, et je pense que la manière dont on peut mesurer la qualité de la vitalité d'une démocratie, c'est par le niveau d'engagement, de prise d'action des citoyens. Et il y a plusieurs démocraties à travers le monde, dans les sociétés post-industrialisées en Occident, où il y a une vitalité démocratique qui est importante. La nôtre, je parle du Québec et du Canada, une démocratie qui est en santé, qui n'est pas parfaite. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Puis on pourra parler du rôle des technologies à améliorer ou à ralentir la vitalité démocratique chez nous. Mais on vit, somme toute, dans une société où les citoyens agissent, les citoyens ont une prise sur l'action politique. On a des taux de participation au Québec qui sont plus élevés que la moyenne au Canada dans nos élections. Même si ce taux diminue quand même. Alors, il est en fluctuation. Oui, si on prend ça sur les 50 dernières années, on voit une tendance à la baisse, mais avec des fluctuations quand même assez considérables d'une élection à l'autre, par exemple. Donc, et ça, c'est une mesure de la vitalité démocratique, de l'engagement politique, de la participation. Mais c'est pas la seule. C'est absolument pas la seule. Ouais. Les gens sont actifs dans des organisations, les gens sont actifs dans des syndicats, dans des causes qui leur tiennent à cœur. On a vécu un moment de mobilisation hors norme en Occident, enfin un des moments les plus remarquables en 2012 au Québec lorsque le mouvement étudiant s'est mobilisés pour et contre la hausse des frais de scolarité. Il y avait des étudiants qui étaient très mobilisés dans les deux camps. Et donc, il y a de l'action, il y a de l'engagement politique. Et donc, ça, une démocratie en santé. Je pense que oui. Alors, êtes-vous d'accord avec cela? Monsieur Gauthier. Moi, je vous dirais que je suis un peu plus réservé là, par rapport à l'état de notre démocratie. Moi, j'avoue même que je suis un peu inquiet dans l'état de la démocratie actuelle parce que je sens clairement que... La perte de confiance qu'on a envers nos institutions, nos décideurs publics est à la hausse, n'est pas en diminuant. Et c'est surtout pas avec l'arrivée de Donald Trump que ça va changer. On sent qu'il y a un décrochage assez important des citoyens envers la confiance qu'ils ont toujours eue envers leurs décideurs. Aujourd'hui, les hommes politiques sont juste en haut des vendeurs d'auto-usagers, et encore, ça dépend des vendeurs. Donc, il y a vraiment un enjeu d'équilibre démocratique également, parce qu'après plusieurs années au pouvoir, on sent qu'il y a de l'usure d'apport dans la façon d'exercer le pouvoir et qu'en contrepartie, il y a à côté un appareil public qui est très, très, très puissant, devant lequel les acteurs, nos représentants démocratiques, ont de la difficulté à faire avancer les dossiers sur lesquels ils voudraient voir avancer. Donc, il y a énormément de résistance. Mais bref, pour en revenir sur le fond, à mon avis... Pour avoir vécu dans une vie antérieure un coup d'État, quand j'étais en Haïti avec mes enfants, je vous dis une chose, la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Et il faut s'en occuper, parce qu'on a toujours le réflexe de prendre ça pour acquis au Québec, ça va très bien. Mais je peux vous dire une chose, avec 50 000 personnes dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, il faut s'en préoccuper, et il faut absolument penser à comment on peut rétablir les ponts entre les décideurs publics et les citoyens. Et c'est pour ça que quand on a créé le mouvement Démocratie ouverte, c'est dans cette fin-là. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la société civile, il se développe des choses extraordinaires qui peuvent permettre de recréer ces ponts-là. Il y a des gens qui croient encore et qui veulent aider à faire avancer la façon de prendre des décisions dans le secteur public. Sauf que de l'autre côté, il y a une résistance importante, il y a un conservatisme qui est là en place et qui est très, très, très difficile à casser. Puis la conséquence de cette fermeture-là à l'innovation qui peut venir de la société civile, bien, c'est de nous amener justement dans un décrochage encore plus grand. Ou un cynisme, c'est le terme. Exactement. Qui est utilisé souvent pour parler des citoyens. Madame Brière?
Bien, moi, je dirais oui, effectivement. Mais je suis d'accord avec, les deux interlocuteurs qui ont déjà manifesté leur point de vue. Et je pense qu'il y a une espèce de santé dans l'envie de participer dans les sphères publiques de toutes sortes de manières, peut-être moins traditionnellement seulement en votant et en participant dans le système électoral. Par contre, il y a des enjeux de cynisme actuellement. On le voit. Je pense qu'il y a plein d'éléments avec les réseaux sociaux, entre autres, il y a une culture du débat qui n'est peut-être pas tellement développée au Québec, qui fait en sorte qu'on est plus dans une dynamique d'échange d'informations. Qui sont stériles et qui ne mènent pas à une implication qui va changer les choses ou qui va avoir une action sur la société. On a peut-être aussi des enjeux d'éducation, d'aider les gens de la société québécoise à prendre leur place à des endroits où il va y avoir un effet éventuel et non pas seulement aller commenter sur des pages Facebook, etc. Oui. Fait que je vois qu'il y a une volonté quand même, il y a un intérêt, mais peut-être qu'il y a des enjeux de compréhension et d'éducation à développer. D'éducation politique également. Oui, beaucoup, énormément. D'éducation politique et culturelle par rapport à comment qu'on discute d'enjeux sociaux, comment qu'on débat, comment qu'on argumente, parce qu'actuellement, c'est un peu une discussion de sourds, en fait, que j'observe, là, surtout dernièrement. On l'a tous un peu observé, je pense, dans les réseaux sociaux. Donc, on est vers une meilleure santé. Disons, je suis optimiste par rapport à ça, parce que je vois un intérêt. Voilà. Oui, M. Janotte. Bien, je ferais peut-être la distinction entre la démocratie et l'exercice du pouvoir. Parce que déjà, c'est une distinction assez importante à faire. Je pense que l'exercice du pouvoir, en ce moment, nous montre à quel point ça carbure le cynisme, ça carbure la division. Il y a beaucoup des lignes tracées dans le sable. Là. C'est, au-delà de ça, on ne peut pas se prononcer ou il faut automatiquement se prononcer contre. Et donc, ça devient très difficile pour alimenter une culture du débat, de pouvoir... Une des raisons pourquoi Françoise David avait tellement bien réussi au débat, c'est qu'elle était en mesure d'identifier des bonnes idées de ses opposants, bâtir dessus, de sortir nuancer, du cadre uniquement d'affrontement, là, uniquement confrontant. Donc, il y a comme un peu cet exercice du pouvoir aussi dans la représentativité. Est-ce qu'on croit encore que les députés, à tous les échelles, sont une représentation des intérêts de leurs commettants? On peut avoir des illustrations, oui, c'est le cas, mais je pense que ce qui est généralisé dans la population, c'est pas vraiment. Il y a un grand décalage. Donc, ce qui est mis en cause, c'est la démocratie représentative, c'est plutôt que la démocratie elle-même. Mais parallèlement à ça, au niveau de la démocratie, en effet, il y a une grande santé démocratique, mais avec l'évolution de la démocratie, il y a un effritement des grands narratifs, le nationalisme, le multiculturalisme. Il y a comme vraiment ces grands effritements qui fait qu'on a une très large diversité d'opinions, de perspectives, d'expériences, de background, d'intégration, réussie ou non, que ce soit quelqu'un qui vient de Montréal, qui s'installe à Québec, puis qui n'a pas cette intégration-là, comment sa perspective, elle est considérée. Donc, une fragmentation d'opinions politiques. Exact. Donc, le défi du leader politique aujourd'hui, c'est être capable d'être le médiateur, de construire ces solutions à travers la diversité. Je ne pense pas qu'on a ce type de modèle de leader en ce moment. Bon. Donc, des réserves assez fortes, hein? Tout le monde, vous en avez, même vous, M. Jasson, avec cette vue quand même. M. Roche, comment vous le voyez? Fragmentation, délitement un peu de la démocratie représentative, du moins, montée du cynisme, mais en même temps, volonté chez plusieurs groupes de la population, y compris les jeunes, de participer d'une façon ou d'une autre, par les technologies, entre autres, au débat démocratique. Est-ce que vous le voyez un peu? Oui, moi, j'aurais spontanément répondu que... qu'elle avait mal à deux endroits en particulier, la démocratie, sur le système représentatif sur lequel elle s'appuie, et puis sur ce fondement qui est la liberté individuelle. Puis je m'explique, je crois que plus une démocratie est en santé, puis il n'y a qu'à lire La République de Socrate pour s'en persuader, mais plus une démocratie est en santé, et plus le risque de l'avoir enfantée d'une tyrannie est grand.
Et je crois qu'on est, dans nos démocraties très avancées, arrivé à un point où le système représentatif sur lequel on s'appuie ne fonctionne plus correctement, je crois qu'on peut le dire, et ça a été dit, et que parallèlement à ça, il n'y a jamais eu autant de revendications de droits individuels, de liberté individuelle, de liberté d'expression, qui, d'une certaine manière, font peser un risque sur le contexte même qui leur permet de s'exprimer. Et puis c'est ce qu'on voit se produire, c'est ce qu'on a vu se produire aux États-Unis pour les élections. C'est ce qui malheureusement est en train de se produire dans un certain nombre de vieilles démocraties européennes. Je pense à la France parce que c'est un pays auquel évidemment je suis attaché, mais ça s'est passé, ça risque de se passer aux Pays-Bas. Il y a certains en Scandinavie, etc. On voit monter des partis d'extrême droite, et puis l'Angleterre aussi. Enfin, donc il y a quand même des signes qui, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais qui montrent qu'à la fois on est dans des systèmes dans lesquels la démocratie fonctionne, et elle fonctionne tellement bien que s'expriment un certain nombre d'idées qui sont contre-démocratiques. Et dans un passé pas si lointain. Oui, oui. Hitler, lui aussi, avait été élu absolument. Démocratiquement. Alors, et puis il est resté pendant une dizaine d'années au pouvoir dans un régime démocratique. Oui. Oui. Donc ça a pris du temps. Cette réflexion-là sur cette espèce de multitude de points de vue-là puis de revendications vient en fait aussi du fait qu'actuellement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a une espèce l'espace public devient en quelque sorte réseauté, tout le monde participe à cet espace, alors qu'autrefois, dernièrement, disons dans les derniers siècles, c'était davantage occupé par les autorités, des experts, c'était un privilège de pouvoir occuper cet espace-là. Tous les citoyens n'avaient pas accès à la tribune. Exactement, là, c'est partagé par... Il faut faire attention, tous les citoyens n'ont pas accès non plus à la tribune. Tous les citoyens ne sont pas... Et ça, c'est un... Ça, c'est un autre symptôme là, du phénomène dont Stéphane parlait, qui, selon moi, est une espèce on prend la démocratie pour acquis et donc on ne s'en occupe plus. Il y a une quantité industrielle de gens qui sont sur les médias sociaux, qui ne suivent pas la politique, qui ne participent pas aux discussions politiques. Qui ne voient pas les discussions politiques. Mais ça dépend de votre définition de la politique. Tous ces gens qui s'expriment sur Facebook, par exemple, qui expriment des opinions, ça peut être politique au sens très, très large. Ça peut être sur l'immigration, ça peut être sur le vivre ensemble. C'est politique comme enjeu. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas présumer que la majeure partie, que monsieur, madame, tout le monde qui est sur Facebook participe à ces discussions-là. Il y a plusieurs personnes qui utilisent encore les médias sociaux à des fins de divertissement et qui ne prennent pas une parole politique, et je la prends vraiment au sens très large. Commentent pas, ne partagent pas de contenu sur des enjeux sociétaux. Et ça, c'est probablement la définition la plus large qu'on peut se donner là, des enjeux politiques. Donc, oui, les réseaux sociaux ont ouvert de nouveaux espaces, vous avez parfaitement raison de le soulever, où des citoyens prennent la parole, mais encore une fois, et si on prend l'exemple de Twitter, par exemple, c'est vraiment des happy few qui sont là-dessus. Là. C'est une toute petite bulle, on parle de quelques centaines ou quelques milliers de Québécois qui suivent activement la politique, prennent part à des échanges avec des journalistes, des politiciens, des experts. C'est pas la majeure partie de la population. Il y a une conversation politique qui ne rejoint pas les citoyens. Et l'architecture même des technologies facilite ça, encourage ça. Le fait que lorsqu'on laisse des traces, on va y revenir plus tard, mais lorsqu'on laisse des traces sur Facebook, sur Twitter, on donne des informations aux plateformes qui, après, intègrent ces informations-là dans des algorithmes et qui font qu'on est exposé à des champs très, très, très balisé, très limité d'intérêt. Et qui travaille avec les partis politiques. Absolument, pour les partis politiques des sont preneurs. Oui, ils travaillent avec tous ceux qui ont de l'argent. voilà. Les partis en ont, donc. Et déjà, que tasser les réseaux sociaux deux secondes, mais juste la maths électorale est rendue si sophistiquée que c'est... Tu sais, on peut déjà anticiper les résultats des prochaines élections avec un peu de... Bon. Contrairement aux firmes de sondage qui ne sont pas encore capables de faire ça. Non, ouais, les firmes de sondage ont des problèmes, c'est un autre débat.
Alors, on peut l'anticiper comment? Qui a le pouvoir? Qui a ce pouvoir maintenant d'instrumentaliser Thierry. À ce point les technologies? Non, mais tu sais, on parle des travaux que vous faites. Ouais. Tu sais, il y a vraiment un avancement au niveau... Tu sais, déjà que des partis vont travailler avec des firmes de relations publiques, ils vont travailler avec des maisons de sondage, ils vont faire des focus groups, ils vont être déjà en mesure d'anticiper avec les résultats de StatsCan sur le recensement, voir où il y a une fluctuation. Bon, tout ça est prévisible aujourd'hui du big data. Moi, je n'ai pas les compétences, puis je le sais que c'est possible. Fait que ceux qui ont les compétences sont 20 ans en avant sur ce que les partis font actuellement. Puis, certains partis ont 20 ans d'avance sur d'autres formations, parce qu'il y a des partis qui sont allés chercher cette expertise-là. Ouais. Au fédéral, les trois grands partis ont des ressources internes qui font de l'analyse de grands volumes de données comme ça, qui colligent constamment. Les partis fédéraux, en tout cas, moi, je suis abonné à toutes les listes d'envoi de courriel des partis politiques, et les partis fédéraux utilisent abondamment ces listes de courriel-là parce que ça leur permet de voir quel genre d'enjeux mobilisent les gens, quel genre de réaction ça génère. Ça leur permet de générer du financement. Ils se sont fait couper leur financement public, donc ils ont besoin d'aller en chercher d'autres. Les partis québécois dorment au gaz. On reçoit un courriel de temps en temps qui apparaît. Ils n'ont pas le même incitatif financier à le faire, mais ça les empêche d'aller chercher des données, par exemple. Leurs bases de données sont moins performantes. Oui. Monsieur Gauthier? Il y a un point que Nelly soulevait tout à l'heure, puis je sors un petit peu de la dynamique des partis politiques et de leur volonté ou pas d'utiliser les outils pour contrôler un peu l'électorat. Ça sera toujours une réalité. Mais je pense que au niveau de ce qui se passe actuellement, au niveau de la fragilité de notre démocratie, moi, je pense qu'on passe souvent à côté de la coche parce qu'on ne s'occupe pas suffisamment d'éducation à la citoyenneté numérique. Et ça, quand on regarde ce qui se passe encore dans nos écoles, on le sait, les réseaux sociaux sont encore bloqués dans bien des commissions scolaires, dans bien des endroits, dans des écoles. Puis les jeunes passent à côté parce que, nécessairement, ils sont capables aujourd'hui de le faire. Mais il y a un enjeu important là de décalage entre ce qu'on donne comme formation à nos jeunes versus ce qu'ils auraient absolument besoin d'avoir aujourd'hui pour être capables d'interagir intelligemment puis de contribuer à un débat qui devrait être orienté vers la co-construction des solutions. Donc, participer activement par l'intelligence citoyenne à faire avancer et à régler des problématiques des enjeux publics qui sont importants. Monsieur Roche, Mais c'est pas en ouvrant les réseaux, c'est pas en ouvrant les réseaux sociaux et en mettant des iPads dans les classes qu'on va améliorer ou qu'on va contribuer à la littératie numérique. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Il y a des enjeux. Enfin, puis on en parlait juste avant de commencer avec Marc. Puis on se disait finalement les enjeux sont pas des enjeux technologiques. Puis le débat de ce soir. On pourrait éliminer la technologie. Et le débat aurait quand même lieu sur l'état de la démocratie, absolument. Son évolution, c'est sûr. Puis on pourrait plutôt le recentrer sur la question du numérique comme nouvelle manière d'envisager les sociétés humaines. Et la citoyenneté. Et les valeurs de partage, d'échange, et les questions de réseau, et la transversalité de nos actions, etc. Donc, le numérique est certainement un enjeu de société majeur et une force de transformation énorme. Mais la technologie en soi est ni bonne ni mauvaise. La technologie... La technologie est neutre, d'après vous? Non, elle n'est pas neutre. C'est un construit social. Puis je crois que de nombreuses recherches l'ont montré. Mais ce que je veux dire, l'enjeu n'est pas sur la technologie. Parce que le construit social de la technologie dépend d'un certain nombre de valeurs et de principes sur lesquels on va s'appuyer pour la développer et en faire soi quelque chose de bon à notre service. Mais il demeure que c'est un outil puissant qu'on peut bien ou moins bien utiliser en faveur d'une démocratie réellement ouverte, transparente, participative. Monsieur Jeannot, vous voulez? La preuve, c'est que le premier réel utilisateur des radios et des télévisions pour une fin politique, c'était Hitler. Il était un grand précurseur, donc les technologies vont certainement transformer pour le bien et pour le pire. Donc, pour chaque Trump, on va avoir des capacités telles Wikipédia. Donc, il y a toujours cet équilibre-là. Puis, en bout de ligne, puis je reviens encore à cette idée de l'exercice du pouvoir, parce que tu peux avoir toute la citoyenneté effervescente que tu veux, si tu n'as pas des leaders qui sont capables de travailler avec ces nouveaux codes, avec ces nouvelles normes,
oublie ça, l'exercice du pouvoir va toujours être en décalage. Petite anecdote, lorsque Vote pour ça est lancé, notre première campagne qu'on avait faite, c'est une seule question. Quelles sont les idées pour améliorer Limoilou? Juste ça. On avait ramassé plus de 500, c'était des bulletins de vote, là, low-tech à fond. Là. Mm-hmm. On était dans des cafés, on ramassait des bulletins de vote, les gens donnaient leurs idées, on ramassait ça, on colligeait, on arrivait avec des résultats, on est sorti sur la place publique, les médias ont mordu, ils ont présenté les résultats et l'effet immédiat, c'est mm-hmm. qu'on a su qu'il y avait une directive provenant du cabinet du maire pour dire « travaillez pas avec eux ». Et à force de jaser avec les différents élus de cette équipe-là, c'était la peur. La peur. La peur de ne pas contrôler les attentes. Oui. Mmh. La peur de perdre contrôle avec ce flux d'informations que nous, on essaie de canaliser vers les élus. Oui. Donc, on a dit, c'est une stratégie qui ne marchera jamais. On ne sera jamais capable de transformer la culture du pouvoir avec la participation citoyenne de cette façon-là. On a tassé ce modèle d'affaires, on en a monté un nouveau. Et on, là, en ce moment, on voit les gains, mais parce qu'on a travaillé la confiance avec les élus, la façon dont on canalise ces attentes-là vers eux. Mais si tu poses des questions, là, ça va, je ne sais pas pourquoi, mais ça leur fait incroyablement peur. Bien, parce que, enfin, y a le grand enjeu de gérer les frustrations. Oui. Parce que dès que tu ouvres la discussion et que tu invites à la participation, tu génères un ensemble d'attentes avec la plupart du temps l'incapacité à y répondre, au moins à répondre à toutes, ce qui est assez logique. Et puis il y a aussi, pour avoir, moi, j'ai travaillé un certain nombre d'années sur les questions de participation et de cartographie participative, puis il y a aussi le fait que du point de vue des citoyens, il y a une difficulté à faire la différence entre j'exprime une idée et puis mon idée va nécessairement être transcrite dans les actions que les élus et que le système de gouvernance va mettre en place. Oui. C'est pas parce qu'on exprime ces idées qu'elles vont être mises en œuvre. Et ces idées ou ces attentes ne sont pas forcément réalistes dans un contexte politique ou économique donné. Alors, il y a un décalage déjà entre les attentes et les possibilités. La compétence citoyenne. Oui. Voilà, Madame Brière. Ben, on en revient au problème premier de l'éducation, puis de comprendre. Puis tout est, et c'est le contexte en fait qui est important. Puis moi, je pense que tous ces outils technologiques-là ne sont que des outils, et c'est un excellent miroir pour voir ce qui ne va pas au niveau de peut-être au niveau du contexte, au niveau de qu'est-ce qui, au niveau de nos problèmes de compréhension, etc. Et je pense que actuellement, s'il n'y a pas autant d'éducation numérique dans les écoles, etc. Ben le problème, c'est que les professeurs, les parents n'ont pas ces connaissances-là et il n'y a rien qui est mis en place. Et on se rend compte que ce n'est pas nécessairement d'apprendre à faire des tweets qu'il faut, c'est apprendre à débattre. À décoder, à distinguer ce qui est faux et vrai, à qualifier, valider les sources. Et distinguer le fait de l'opinion. Oui. Exactement. C'est comme la post-vérité. C'est comme si ça avait ouvert tout un champ de compétences qui ne sont pas nécessairement numériques, mais qui sont très mises en lumière à travers le numérique, en fait. Mais il reste que la majorité des citoyens continuent de s'informer par les grands médias, hein, radio, télévision, des médias qui ont eux-mêmes changé en parallèle à l'apparition des médias sociaux que les jeunes et les moins jeunes fréquentent. Mais la majorité des gens fonctionnent encore en s'informant sur les grands médias. Est-ce que vous trouvez que le contenu des grands médias dont on parle a changé? Est-ce que c'est au service d'une meilleure information? Est-ce que l'écosystème médiatique s'est amélioré ou s'est détérioré? Est-ce qu'en général, comme citoyen, on a accès à des sources suffisantes et intéressantes? Si on fait le portrait général, nous, là, citoyens québécois, est-ce qu'on a tout le panorama des faits nécessaires pour porter un jugement clair, un jugement valide? Je crois que un des effets pervers des médias sociaux, c'est d'avoir tirer les grands médias vers le bas, mais peut-être c'est juste mon point de vue, parce qu'il y a comme une course à l'instantanéité qui fait que évidemment, c'est une caricature globalisante, là, mais tu sais, c'est difficile. Je crois que dans cette course à l'instantanéité et puis au scoop... Oui. Mais ça a été déclenché avant les médias sociaux par les chaînes d'information continue dans les années 90. Mais ça touchait une toute petite portion de journalistes. Puis, maintenant, tous les journalistes
sont pris là-dedans. Et puis quand on regarde l'effet Trump, là, et puis ces vérités alternatives, ou ces vérités très locales, sont bien souvent des vérités qu'il a pas inventées, mais qu'il a piochées dans la presse, dans les journaux d'information continue aux États-Unis, dont on connaît la qualité globale. Il se nourrit surtout à Fox ou à des commentateurs radio qui sont des complotistes et des. Oui, mais je crois à réactualiser ou à se réapproprier ces fausses vérités, ça le rapproche d'une certaine manière de la grande majorité de citoyens qui s'abreuvent eux aussi à ces chaînes-là. Et donc, pour une fois, il y a John Oliver là, vous l'avez vu. Mais pour une fois, mais je trouve qu'il y a quand même des Américains qui ne sont pas des journalistes d'ailleurs, mais qui font un traitement journalistique et satirique de l'information et qui donnent un contrepoids nécessaire à ce que l'administration Trump, entre autres. Mais ce que je veux juste terminer là-dessus. Ce que je remarque, c'est qu'il a certainement. Il n'y a pas un élu ou un président américain qui n'aura été aussi proche de son électorat, paradoxalement. De son électorat, parce qu'enfin, un président dit les mêmes vérités que celles qu'ils entendent sur les médias d'actualité. Et donc, forcément, c'est la vérité. Oui. Si en plus le président vient le valider, on rentre dans un. Sur les médias d'actualité qu'il consomme. Parce que c'est vraiment le phénomène Trump, c'est l'archétype parfait de la chambre d'écho. Et il a utilisé Twitter pour pouvoir parler à cette chambre d'écho-là. Directement. Parce que ce sont des citoyens qui, lorsqu'ils écoutaient les grands... on est dans le registre des hypothèses. Là. On soulève des hypothèses. Il n'y a aucune de ces hypothèses-là qui a été validée en ce moment. J'ai plein de collègues aux États-Unis qui travaillent là-dessus, qui sont en train de comparer les contenus avec le discours politique. On n'est pas encore là, dans les constats et dans les conclusions réelles. Mais une des hypothèses, c'est que ces nombreux électeurs ne se retrouvant pas dans la couverture dominant des grandes chaînes et des grands médias nationaux, focalisaient sur des médias spécialisés, des médias d'opinion, des radios parlées, où on leur répétait constamment la même chose. Et puis Trump s'est mis à leur répéter la même chose sur Twitter, à s'amender, à revenir. Et cette utilisation de Twitter lui a permis, après, d'avoir une couverture, pas positive, mais d'avoir une couverture gratuite dans les médias traditionnels. Donc, il était gagnant-gagnant. Et c'est l'archétype de cette théorie de la chambre d'écho où on se retrouve dans des espaces très consensuels, très polarisés aussi politiquement, très polarisés, où on parle entre nous. Et donc, on ne débat pas. Il n'y a pas de débat. Là. Tout le monde est d'accord avec ce qui se dit. Alors, on a deux camps et deux vérités parallèles. On rajoute qui les réseaux pas sociaux. Se rejoindre. Les logarithmes, les algorithmes, ils font en sorte que c'est très imperméable. Complètement. On est exposé aux choses que les membres de notre réseau partagent, commentent, aiment, que nous partageons, que nous commentons, que nous aimons, et on finit dans des espaces informationnels qui ne sont plus du tout diversifiés. Et cette diversité médiatique, très importante, il faut le rappeler, là, une des conditions de fonctionnement d'une démocratie, c'est le pluralisme. Liberté. Le pluralisme d'opinion dans l'accès à l'information, une information ouverte, une information transparente. Et ça, moi, je suis professeur de communication politique, et quand je parle de démocratie, d'information et de communication, c'est évidemment cette condition-là que je mets en avant. Si ça, c'est pas là, on n'est pas dans un régime démocratique. Et on se retrouve dans ces espaces de réseaux sociaux On parle de la réalité américaine, là, où on a vraiment l'impression. Mais même au Québec et au Canada, même au Québec, au Canada, on le voit. Faites le test. Vous regardez. C'est quand même moins tranché. Ce à quoi vous êtes exposé sur votre mur Facebook. La proportion de choses qui vont vous choquer vraiment est infinitésimale. Vous allez être exposé seulement à des éléments d'information qui sont mis en avant par vos amis, par les membres de votre réseau, des choses a priori avec lesquelles vous allez être en accord, et puis que vous allez aimer, puis que vous allez partager parce que vous êtes. Et puis plus vous contribuez et plus vous aimez. Monsieur Gauthier, c'est à vous. Puis ensuite, Madame Bréard. Juste pour ramener, parce que moi j'aime beaucoup le vous écrivez les mots portrait de l'information. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est la chose suivante. La réflexion qu'on conduit, nous, à l'Institut de gouvernance numérique, c'est que l'information, c'est une énergie. C'est l'énergie du 21e siècle qu'il faut apprendre à gérer. Donc, une stratégie numérique, à quelque part, c'est un projet de société qui est basé sur les capacités de gérer intelligemment l'information pour le bien commun.
Et malheureusement, ce n'est pas ça du tout qu'on construit actuellement comme projet, malheureusement. Ce n'est pas ce que je vois, en tout cas. On n'est pas du tout orienté sur ça, alors que c'est absolument fondamental pour l'avenir d'une société d'aujourd'hui d'être capable de prendre, de gérer correctement l'information, la manne d'informations, que ce soit les... Peu importe, l'information, elle est nécessairement numérique, de plus en plus numérique aujourd'hui. Oui. Donc, comment devrions-nous ensemble construire un projet qui nous permettrait, nous, au Québec, de capitaliser sur les grandes forces qu'on a, parce qu'on a des forces importantes. On est une société de coopérants. On a construit parmi les plus grandes coopératives au monde à cause de notre solidarité et de notre capacité de travailler ensemble. Mais est-ce que ce n'est pas un autre aspect? C'est-à-dire que le numérique, c'est la diffusion de l'information. Évidemment, il y a un cycle dans tout ça. Mm-hmm. Mais l'information continue d'être produite par différents acteurs sociaux. Et là, ce qu'on vient de décrire, c'est un monde où il y a comme deux types d'acteurs. Il y a le vrai et le faux, les intérêts. Mais la gestion de cette information-là, à la base, comment devrions-nous nous prendre et quelles sont les décisions qu'on doit prendre ensemble pour faire en sorte que nous puissions, comme société, nous faire un projet qui va être emballant, passionnant pour nos enfants, qui va nous permettre d'assurer que nos petits-enfants vont vivre dans une société sur laquelle ils vont avoir une emprise. Tout d'être décolonisé comme on est tous en train de devenir, décolonisé du numérique, on pourrait devenir vraiment des précurseurs, des gestionnaires de cette information-là. Parce qu'actuellement, tous, c'est pas juste au Québec, en France, c'est la même chose, on est dans l'économie des grandes plateformes, c'est le temps, les heures qu'on passe sur ces réseaux-là, c'est pas nous qui en profitons, c'est les plateformes économiques en arrière qui capitalisent dessus et qui nous abreuvent de l'information qu'ils veulent bien nous abreuver parce qu'ils ont les outils pour seulement nous donner l'information qu'ils veulent bien nous donner, qui va nous faire notre affaire. Mais sur le fond, il y a une réflexion majeure à tenir au Québec. On est à l'ère des réseaux. On a construit avec Hydro-Québec parmi les plus grands réseaux mondiaux en hydroélectricité. Mais là, on est un peu comme David contre Goliath. Là. Mais on l'était aussi à l'époque, au début des années 60, on l'était aussi. On est capable de se... Moi, j'ai confiance à la force des Québécois de se réapproprier nos façons de produire. Ouais. On est capable de le faire. Est-ce que c'est une question de contrôle? Un des enjeux, c'est le contrôle un peu? Bien, moi, je voulais réagir sur les Madame algorithmes, Brière. Parce que je ne suis pas du tout à fait d'accord avec mes collègues ici. Parce que les algorithmes, sont là, ils sont dans à peu près toutes les plateformes et c'est pas seulement en participant sur la plateforme que vous l'alimentez parce qu'évidemment, avec les micro-espions, là, votre navigation, vos déplacements avec votre téléphone, tout est espionné carrément pour vous donner des choses qui sont le plus près possible de vos intérêts. En fait, on est en train on devine votre comportement futur et on nourrit en contenu en fonction de vos comportements futurs devinés. C'est rendu très fin. Comportement de consommateur et comportement de citoyen. Oui, à tous les égards. Là. Exactement. Il y a des travaux de M. Cardon qui sont absolument fascinants sur ce sujet-là spécifiquement. Par contre, alors, moi, je ne vois pas ça comme étant quelque chose de négatif totalement parce qu'ils me servent, ces algorithmes-là, parce qu'on a tous un algorithme en nous. On choisit nos amis, on choisit notre endroit pour vivre en fonction de ça. On est nous-mêmes dans des chambres à écho. Naturellement, je dirais socialement, mais on en est conscient. Et après ça, on va s'acheter, par exemple, un média, le journal Le Devoir, parce qu'on sait qu'on va avoir un peu les points de vue qui est une espèce d'équilibre. Là, le problème, c'est que ces algorithmes-là, la plupart des gens ne les connaissent pas. N'ont même pas conscience qu'ils y sont soumis et ont l'impression de consommer de l'information comme s'ils lisaient Le Devoir. Mais ces plateformes-là, comme Facebook, par exemple, ne veulent pas porter cette responsabilité-là d'offrir un équilibre. En fait, c'est l'inverse, puisqu'on veut offrir un espace qui est le plus confortable possible, puisque le modèle d'affaires, évidemment, c'est de vous vendre votre temps d'attention à des publicités. C'est ça. Donc, ça, c'est... Alors, moi, je pense que l'enjeu, ce n'est pas de se battre contre ces plateformes-là, contre ces algorithmes-là, mais plutôt d'éduquer les gens, de demander plus de transparence. Quels sont ces algorithmes? C'est quoi leurs objectifs? Qui les façonne, ces algorithmes-là? Dans quelles intentions? Et que ce soit davantage couvert dans nos médias. Et je voulais aussi mentionner que, selon moi, le problème de l'information actuellement, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est le financement. Il y a un problème d'argent dans les médias qui fait en sorte qu'ils ont de la misère. Puis évidemment, les médias sociaux tirent beaucoup d'argent parce que la publicité dont l'argent de la publicité dont vivaient les médias, bien, c'est Facebook qui en profite
Google, etc. Mais on a un enjeu majeur à ce sujet-là. Puis comme ben, on parle de Silicon Valley, puis qu'on n'a pas d'emprise là-dessus au niveau politique, du moins, va falloir qu'on trouve des solutions pour garantir un accès à l'information de qualité au Québec. Oui, là. Oui. Puis moi, je pense que Mais comment on peut demander à ces grands fabricants d'algorithmes, au Facebook et Google de ce monde, d'être plus transparents? Mais en même temps, vous dites quelle est l'intention de l'algorithme? Il me semble que vous l'avez dit, l'intention est d'abord commerciale, c'est-à-dire, c'est vraiment de fournir à des vendeurs les données du maximum de citoyens. Est-ce que c'est possible de transformer ce modèle-là pour que l'intention puisse être politique, utilisée, vous voyez, dans, des, dans qu'est-ce une... Qu'est-ce que vous voulez dire de prévoir l'action politique des citoyens? Comment contrecarrer la vocation purement commerciale? Ah, bien là, on est dans un système économique où on ne pourra pas contrecarrer. C'est pas possible, c'est ça. Ce sont des entreprises commerciales. C'est ça. Alors, comment détourner ce modèle-là qui est tellement... Bien, moi, je pense qu'il va falloir qu'on établisse des points de contrôle au niveau politique. Oui, puis on n'aura peut-être pas le choix d'aller là, parce qu'évidemment, à moins d'avoir un gouvernement mondial, on n'a pas le choix de dire, bien, ici, vous êtes soumis à ces règles-là au Québec, puis de l'imposer à ces plateformes-là. C'est ce que je pense. Ouais, j'aimerais ça voir le gouvernement du Québec essayer de se défendre devant le... c'est ça. Les accords avec commerciaux donnent tous les pouvoirs. Monsieur Roche, Moi, je pense que c'est ça le véritable enjeu. Là, on vient de cette espèce d'effet disruptif qui est une stratégie consciente des grandes entreprises de... Les travaux de le bouquin dans la disruption là, de Bernard Stiegler est assez clair. Là, moi, je trouve... même s'il y a un côté alarmiste, il reste que cette stratégie pensée d'accélération de l'innovation pour prendre de vitesse les gouvernements et les sociétés et venir finalement déséquilibrer transformer par effet de tétanisation là, les équilibres sociaux marche assez bien. Puis on a eu l'exemple avec Uber. C'est un bel exemple. Puis il y a d'une part cette question, là, cette stratégie qui est une stratégie commerciale à laquelle peut-être c'est difficile, mais je pense que les États ont le devoir de réfléchir, de prendre conscience. Il y a évidemment la formation et l'éducation de chacun d'entre nous face à ces plateformes-là pour qu'on reconnaisse ce qu'elles sont. Et puis pour enlever aussi, parce qu'on a quand même un peu tendance encore globalement à vivre au pays des bisounours, et puis à penser que... parce que moi, quand j'entends encore des discours sur Uber comme exemple d'économie sociale, mais il n'y a pas longtemps encore, on le voit dans l'économie la presse encore. Économie de partage. Uber n'a jamais été... c'est pas un système d'économie de partage. C'est une entreprise capitaliste très rodée. Et d'ailleurs, l'exemple type, c'est Kamani, Uber, c'est une dame très riche qui a acheté des voitures et puis qui a salarié pour une bouchée de pain un ensemble de chauffeurs. C'est ça, Uber. Puis ça ne gêne pas du tout, Uber, ce modèle-là. Donc on est loin de l'économie de partage ou de l'économie sociale. Donc c'est des grosses entreprises multinationales. Donc je crois que... Mais est-ce que des États comme le Québec, c'est ce que vous disiez, ont le pouvoir... d'arriver, c'est ça, à leur propre stratégie numérique dans le vrai sens du terme. Il faut faire des liens entre des choses qui sont absolument incontournables. Quand on parle d'innovation aujourd'hui, c'est nécessairement qu'on parle d'avenir, qu'on parle de transformation de société. On doit arriver à comprendre qu'aujourd'hui, si on parle de la collaboration, parce que l'avenir est à la collaboration, tout le monde en parle, on veut réussir à repenser nos modèles de développement économique autour, on devrait être en train de travailler là-dessus et sortir des modèles traditionnels de création de richesse pour en arriver à créer des modèles qui vont être basés sur le savoir. Ben, ces questions-là, actuellement, je ne suis pas certain qu'on est en train de les aborder sur le fond, de faire les liens qu'on devrait faire comme société. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, quand on regarde ce qui se passe dans les pays les plus avancés, l'organisation économique a compris que la création de richesse s'est transformée et qu'on se doit de capitaliser sur le savoir pour être capable de contrôler l'avenir économique de notre pays, de notre patelin. Il y a des choses fantastiques qu'on pourrait faire au Québec parce qu'on a cette capacité-là de mise en réseau. On est une petite société qui est si serrée, qui pourrait tellement faire plus, mais se sortir des espèces d'ornières, nos lunettes qu'on a encore du 20e siècle,
et notre lecture économique du 20e siècle, je m'excuse, mais on est au 21e et on est juste 17 ans en retard actuellement dans l'analyse profonde de ces transformations-là. Donc, il faut qu'on réussisse. Je ne parle pas pour... Globalement, il y en a qui ont... Je ne veux pas, pas faire attention au jugement, là. Mais globalement, je pense que quand on regarde nos décideurs politiques, ce qu'on est en train de faire, de créer... Il y a une myopie ou même un aveuglement. Là. Il faut absolument qu'on fasse ce passage-là, qu'on arrête dans une dynamique de contrôle du message et qu'on passe dans une dynamique de faire ensemble. Ouais. Parce que c'est là le problème qu'on a beaucoup. Ouais. Et c'est, M. Jeannotte, au fond, les expériences que vous avez connues au niveau de la Ville de Québec, de l'Organisation des citoyens de Québec, c'est ce que vous cherchez, dans un sens, à créer par le genre d'initiatives, les initiatives que vous avez prises? Bien, tu sais, on a vu un superbe soulèvement en 2012. Oui, il y a 5 ans exactement. Qui avait quand même quelque chose d'assez, à mon avis, inspirant. Surtout sa mutation vers les casseroles. Oui. Je trouvais qu'il y avait vraiment une mutation qui était très artistique, qui était très mobilisatrice. De revenir à une vieille technologie, au fond. C'est un mélange de technologies. Ben, c'est high-tech meets low-tech. Il y avait une application casserole aussi. Ouais. Mais dans ce contexte-là, il y a quand même un problème lorsqu'on revendique des choses. On a de la difficulté à établir des normes constructives. Donc, d'avoir un dialogue, parfois, on est vite à critiquer nos politiciens de ne pas avoir des dialogues avec la société, avec la société civile. Mais du même coup, lorsque les choses n'avancent pas au goût du citoyen, on revendique des choses. Et donc, d'essayer de trouver un climat de médiation, d'arbitrage... En fait, c'est ça la démocratie, ou du moins c'est ça l'exercice du pouvoir dans une démocratie pluraliste. La médiation des intérêts, c'est ça le rôle du politicien. On n'est pas vraiment, à mon avis, on est difficilement là-dedans. Il y en a des politiciens qui font ce travail-là avec exemplarité. Mais l'enjeu, c'est qu'on n'a pas des normes et donc des règles, des règlements, des procédures, des façons de faire au sein de nos institutions où on se crée cet espace-là, où on est capable de tous s'asseoir autour de la table et la conception d'une politique publique, la conception d'un projet urbain est déterminée ensemble. Regardez les avancements sur l'acceptabilité sociale. Oui. Les bases de l'acceptabilité sociale, c'est dire de façon concertée, on conçoit des projets dont les bénéfices vont être en équité avec les communautés. Donc, on implique les communautés en amont. À la conception du projet. Ça, c'est le contraire de la consultation qui vient après coup imposée d'en haut. Nommez-moi un politicien qui fait ça. Oui, oui, oui. Donc, on est loin de ce modèle collaboratif, vraiment de co-construction de l'espace démocratique. Tous les acteurs de la société savent comment ces nouvelles normes influencent leur secteur d'activité. Et je pense que c'est juste les politiciens qui ont une difficulté. Les politiciens qui sont dans les règles de leur game... Du 20e siècle sont en retard sur les citoyens, d'après vous. Ces règles-là sont fixées par notre système politique, fixées par le système de démocratie, tu sais, de représentation. C'est difficile de modifier une loi. C'est très difficile de modifier une loi, mais il faut comprendre que le politicien ne vit pas sui generis. Il est partie prenante d'un parti politique. Oui. Dans notre système de démocratie, on vote pour le représentant d'un parti politique. Il y a donc toute... la base militante, le programme, les engagements qui sont pas toujours respectés, puis c'est clair. Mais le politicien a fonctionné dans cette machine-là. Relation verticale entre le politicien et le citoyen, alors que là, on parle d'un modèle qui devrait être plus horizontal. Peut-être, mais ça demande un exercice d'abstraction, je pense, pour les acteurs politiques. Je vais les appeler comme ça, là, pas seulement les politiciens, les partis politiques, mais les acteurs politiques, qui est peut-être trop exigeant pour eux. Déjà, de s'adapter à l'approche dialogique sur les médias sociaux, c'est un défi titanesque pour eux, parce qu'ils sont obsédés par le contrôle de leur message. Le contrôle de leur message parce qu'ils veulent gagner la prochaine élection. Ils sont en campagne permanente. Voilà. Donc, c'est de la politique à très courte vue, parfois avec des projets de développement un peu plus longs, mais le feu qui anime l'action politique, c'est
la prochaine élection, la, tu sais, on, ça, ça implique donc, ça, mais ce qui le, en oui, soi ben, est c'est problématique, antidémocratique. C'est très antidémocratique, mais c'est très démocratique en même temps parce que c'est la manière dont notre système fonctionne. Mais le problème, on est vraiment dans le paradoxe. Le problème, c'est que c'est parfaitement orthogonal à ce qu'une approche telle que celle que vous évoquez de collaboration transversale numérique préconiserait de faire. Donc, on est dans un système aujourd'hui qui fonctionne de manière complètement orthogonale, et puis on voudrait comme ça changer de modèle. Changer ça. Ouais. Mais il n'y a personne, même à titre individuel, Mais qui est capable. Ça dépend des paliers, parce qu'au niveau municipal, il y a quand même des choses qui se font, qui sont possibles de faire, je pense, plus facilement, parce que c'est plus local. Mais encore une fois, moi, je l'observe pour être quand même une personne impliquée là, dans le milieu municipal. Et je pourrais dire qu'il y a un problème, encore une fois, d'éducation, où on ne sait pas où aller. On n'a pas l'habitude d'aller voir notre élu. La plupart des gens ne savent même pas qui est leur élu. Dans les grandes villes, surtout. Exactement, qu'il y a un conseil d'arrondissement, puis qu'on peut prendre part à peu près toutes les discussions, puis de toutes les décisions, puis que c'est vraiment quand même dans cette dynamique-là. Donc, encore une fois, je pense que si les gens apprennent davantage à s'impliquer au niveau local, ça va avoir un impact sur les autres paliers éventuellement, puis que peut-être ça va être plus facile après ça de porter des projets pour changer. M. Gauthier, j'aimerais qu'on me parle un peu. Juste pour faire brièvement, un peu de pouce là-dessus. On a un enjeu, je pense, de manque de vision, de compréhension profonde des changements de société qui se vivent. Et cette manque de vision-là a de l'impact dans la façon de faire la politique. On a encore des politiciens qui travaillent dans des modèles hyper traditionnels de faire, malheureusement. Et c'est ce qui est dangereux, à mon avis. Alors que si on avait des politiciens qui comprennent les nouveaux paradigmes, la nouvelle économie dans laquelle on s'en vient, on pourrait penser, on en parlerait. Moi, en 2010-2011, on parlait du gouvernement comme plateforme. Ça me semble que ça fait un bout de temps que ça se barre. Ça fait longtemps qu'on en discute. Mais malheureusement, ça n'a jamais été approprié par personne. Il n'y a jamais eu vraiment de mesure de mise en place pour mettre en place ces concepts-là. Il y a des pays qui le font, par ailleurs. Hein? Oui. La France, actuellement, est avec des fois plus ou moins de succès, mais au moins la base est en train de se mettre. Il y a une gouvernance là-bas que moi je trouve porteuse d'un point de vue stratégique. Il y a des exemples qu'on pourrait suivre, la façon de faire, mais on n'est malheureusement pas commencé encore vraiment cette réflexion. Monsieur Roche, êtes-vous d'accord avec ça? Ou dites que vous avez l'air de dire que certains politiciens seraient prêts à faire le saut? Parce que moi je pense que c'est... évidemment, il y a forcément, à la fois par idéologie puis par valeur, certains politiciens qui n'adhèrent pas nécessairement à ce dont on est en train de parler. Mais je pense que les politiciens sont des gens assez brillants en général et qu'une grande majorité a très bien compris les enjeux. Mais tu sais, c'est comme le meilleur joueur de football. Si vous lui dites « idéalement, il faudrait jouer avec ces règles-là », mais qu'il continue à jouer dans une ligue dans laquelle c'est les anciennes règles qui s'appliquent, soit il va décider de perdre à chaque fois en jouant avec les nouvelles règles, soit il va se dire « tant pis, si je veux continuer à jouer... Alors, comment... J'ai pas le contrôle sur alors, les règles. Si la solution, c'est de changer les règles, prenons un exemple précis, le droit de vote, la façon dont on vote, le système vraiment électoral. Ça plaît bien. C'est très concret, ça, non? C'est un exemple très concret. Parce qu'on vous a demandé d'y penser un peu. C'est un des fondements de la démocratie. C'est pas le seul indicateur d'une démocratie en santé. Vous l'avez dit, mais est-ce que vous pensez que le vote électronique pourrait faciliter l'exercice démocratique? Est-ce que les gouvernements auraient avantage à utiliser mieux la technologie pour faire preuve d'une plus grande transparence? Ça serait peut-être un début déjà. Comment mieux utiliser les technologies pour... D'abord, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Pour ce qui est du droit de vote, il faut comprendre qu'on est dans un système parlementaire vieux de 400 ans, avec un système de représentation, à mon avis, qui est complètement dépassé, qui a comme impact qu'on élit des gouvernements avec 22, 23, 24 % de la population qui vote pour un gouvernement. Donc, on a un problème de représentativité démocratique. On n'a même pas de loi constituante au Québec. On n'a pas adhéré à une constitution. Tout ça, ce sont des problèmes qu'on met généralement sous le tapis. C'est pas à la mode d'en parler, mais ça demeure des problèmes de fond qu'un jour, il faudra bien adresser, malgré les promesses qu'on prend souvent à Ottawa pour dire on va réformer, puis quand on arrive au pouvoir, finalement, ça nous sert très bien. C'est comme par hasard, on oublie ça, ça s'est passé dernièrement avec Mme DeSantis, qui a déclaré que finalement, le système était très bien. Non, mais à Ottawa, M. Trudeau aussi, il a renoncé à la réforme. Mme DeSantis n'a pas promis une réforme majeure comme promesse centrale de son élection. C'est ça, exactement. Justin Trudeau l'a fait. Tout à fait, on voit ce que ça donne. Mais il y a un problème là. Mais pour en venir à la deuxième partie de ce que vous abordez, à mon avis, oui, il faut qu'on réussisse à
sortir des mécaniques de prise de décision à porte close puis d'influence des lobbies pour aller vers des mécaniques de prise de décision qui vont s'appuyer, grâce aux technologies, sur l'externalisation de l'évaluation, permettre à des citoyens, des parties prenantes, de participer activement, d'amener l'information qui est nécessaire pour supporter la prise de décision. Ouais. Ça, c'est, à mon avis, c'est incontournable. Je vous ramène à l'exemple précis du vote électronique. Ouais. C'est déjà quand même utilisé dans certains États américains. En Estonie. Il y a eu en Estonie. Il y a eu des expériences au Québec dans une élection municipale en 2009. Oui. Madame, du DGEQ? 2006, voilà. 2006. Avec succès ou non? Non, avec votre grand sourire, catastrophe. Le système a planté un petit peu. Ouais. Ah, d'accord. C'est ça, le vote électronique. Quand on pose cette question-là habituellement aux gens, dans des sondages, la majeure partie des gens se disent favorables. On voudrait peut-être pouvoir voter de la façon la plus simple possible, sans avoir à se déplacer, voter au téléphone, voter par la poste. Encore une fois, la force du moindre effort, les gens sont toujours attirés par ça. Mais il y a des enjeux de sécurité. Puis on l'a vu en 2000 aux États-Unis à l'élection présidentielle. Hyper problématique. La technologie n'est pas encore à point. On a décidé de mettre le haut-là, même dans la réflexion dans certaines juridictions. Au Québec, je pense que ça ne fait plus partie du spectre de réflexion au DGEQ. Pourquoi? Je ne le sais pas. Peut-être à cause de cette expérience de 2006 qui ne s'est pas bien passée au municipal. Mais c'est pas la panacée, le vote électronique. Il faut aussi faire attention. Madame Brière? Parce qu'en Estonie, ça fonctionne quand même relativement bien, mais évidemment, c'est pas un panacée. C'est pas ce qu'il va faire, parce qu'en plus, ça enlève l'effet du rituel de vote. Ça peut avoir un effet déresponsabilisant aussi. Ouais. Mais moi, je pense qu'il va falloir éventuellement qu'on mette notre énergie à développer ça, parce que, je veux dire, si on essaie de voir un peu plus loin, les technologies pourraient permettre toutes sortes de formes de démocratie on pourrait participer davantage lors de référendums. On pourrait déléguer, ajouter une forme de partie délégative dans notre démocratie. Il pourrait y avoir plein de choses qui sont, en ce moment, peut-être un peu utopiques, là, mais qui pourraient être débloquées par ces technologies-là. Puis, on n'ira jamais si on n'essaye pas déjà de faire un premier pas. Mm-hmm. Il va falloir peut-être plus des laboratoires, peut-être pas tout demain instaurer ce système de vote-là, des laboratoires qui permettraient d'expérimenter des systèmes où on inclut les technologies. Puis ça c'est pas obligé non plus d'être une obligation. Ça peut être une option parmi une panoplie d'options dans la façon de voter. Une alternative. Je pense que ce soit un moyen complémentaire, facilitant pour certains, votants, pourquoi pas? Je crois pas que ça soit... Moi, je pense aussi que l'exercice du droit de vote est un devoir et que ça devrait être entouré... De certains décorums, de rituels... Pas un décorum, mais tu sais, le système du moindre effort et le chemin le plus court, là, devrait pas s'appliquer parce que... Puis l'Estonie, là, ça fait plusieurs fois que tu évoques l'Estonie, puis... Bon, d'abord, c'est un tout petit pays. Puis moi, j'ai retenu deux choses de la rencontre avec la dame de e-Estonia, là, quand elle est venue au mois de novembre. Deux choses importantes qui montrent à quel point leur expérience ne peut absolument pas être reproduite au Québec. Elle a dit clairement que ça avait été possible parce que, d'une part, ils n'avaient pas de plan B, ils n'avaient pas le choix. C'était ça. Et que d'autre part, il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien avant puisqu'ils sortaient d'un régime parfaitement, enfin, sous tutelle de l'URSS. La troisième chose qui fait qu'ils ont structuré les choses comme ils l'ont structuré, c'est qu'ils vivent avec la crainte permanente d'être de nouveau envahis par l'URSS. Et l'arrivée de Donald Trump et son désengagement dans l'OTAN, entre autres, fait peser ce risque-là aussi. Donc, c'est sûr que dans un pays où il y a quoi, 170 000 habitants en Estonie à peu près. Bon, donc c'est... C'est sûr qu'il y a un contexte... C'est Trois-Rivières. Sûr qu'il y a un contexte particulier, mais quand mais, même... Mais c'est sûr que... Alors, le Québec n'est pas un petit État balte qui est sorti il y a, 20 ans, 25 ans de la tutelle soviétique. Qu'est-ce que ce serait une autre façon d'utiliser la technologie vers une plus grande transparence du fonctionnement démocratique, M. Jeannot? Juste revenir sur l'idée du vote. Parce que, comme je mentionnais... Je pense que ça n'a rien à voir avec la technologie.
Parce que faire un petit X aux deux ans, que je le fasse en ligne ou je le fasse en personne, c'est insatisfaisant, point. Oui, oui. Je suis capable de contribuer beaucoup plus. Je suis capable de j'aimerais pouvoir dire je vote pour un individu parce que je crois à sa valeur inhérente à être mon représentant, mais je ne suis pas d'accord avec la ligne de son parti sur tel et tel sujet. Oui. Et on a un contexte où c'est le chèque en blanc. Oui. Tu espères qu'il va faire les choses qu'il a dit, puis tu n'as aucune marge de manœuvre à pouvoir dire « je suis d'accord là-dessus, je ne suis pas d'accord là-dessus ». Puis, qui est la base, à mon avis. Je disais, on est en famille, puis on adore notre famille, mais je ne suis pas capable de te sentir quand tu me shoots tel argument. C'est normal, c'est ça, le vivre ensemble. Mais quand on arrive en politique, c'est en bloc. Oui. Mais là, les gens, est-ce que, par exemple, si on incitait les députés à consulter par voie électronique régulièrement avant un vote important leurs concitoyens, au lieu d'aller chercher une approbation aux 4 ans, de leurs électeurs potentiels, s'il y avait un nouveau modèle de consultation permanente, un dialogue permanent grâce aux voies électroniques entre les citoyens d'un comté. Ça ne peut pas être juste un brainstorm dans ton salon ou une série de référendums ponctuels que présentement on essaie de faire. Il y a des plateformes aujourd'hui qui existent, puis nous, on s'en occupe parce qu'on en a participé à la création d'une, un projet qui s'appelle Parlement et citoyen, qui a été utilisé en France par Axel Lemaire pour construire la loi sur le numérique. Il y a 25 000 personnes qui ont participé à l'exercice. Il y a beaucoup d'amendements qui sont sortis de ce débat-là en ligne. Quand même, ça a donné des résultats, là. Et je pense que cette façon de faire le débat en ligne, si elle est bien organisée, bien structurée... Ça a permis de construire un projet... Ça ne peut pas être un Facebook. T'sais, il faut que ce soit structuré vers la co-construction, la mise à profit des idées avec des systèmes de votation qui permettent de faire remonter les meilleures idées parce qu'elles seront été plébiscitées et les arguments pour contre la publication des sources qui permet effectivement de trouver ensemble des solutions qui sont le plus consensuelles possible. Mais c'est le problème qu'on a dans ce genre de choses-là. On le fait actuellement dans un projet qui s'appelle Connexion 2017, qui veut mettre en commun les chercheurs et les entrepreneurs parce qu'il y a un fossé de dialogue entre ces communautés-là. On a mis en place la plateforme en amont d'un événement. Mais le problème qu'on a, c'est le manque d'éducation d'une certaine façon. Les gens ne sont pas habitués au Québec, comme en France, de participer en ligne à des débats comme ceux-là. Puis souvent, bien, malheureusement, c'est plus difficile. Mais 25 000 sur 65 millions, c'est quand même pas... Je comprends. Mais comme expérimentation, c'est excellent. Il y avait 20 personnes sur le live ce matin là, sur les enjeux du numérique au Québec. Une conférence du gouvernement organisée par le gouvernement québécois. Un panel pour réfléchir. Un panel à la stratégie numérique. D'ailleurs, mercredi, c'est à Québec, terminal de croisière. Ça se passe. Bon. Mercredi matin. Alors, écoutez, on est dans le trait ponctuel. Sur le fond, est-ce qu'on peut imaginer une meilleure façon d'utiliser les technologies actuelles pour nourrir constamment ce dialogue démocratique entre les élus dans le vieux système et les citoyens? Bien entendu. Je pense qu'il y a des expériences où des partis politiques, des gouvernements tentent, en mobilisant ces outils-là, le gouvernement actuel a fait une consultation en ligne. Gouvernement canadien pour la réforme? Là, je parle du gouvernement provincial au Québec qui a fait une consultation, je pense, prébudgétaire. Ils en font une autre en ce moment où on demande aux gens. En fait, c'était sur le comité. Le gouvernement venait d'entrer en poste et Mme Robillard est à la tête d'un comité pour analyser des programmes. Et on a fait une consultation publique autour de ça, mais où les choses étaient largement téléguidées. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer ouvertement. Il y avait des choix de réponse qui étaient proposés. C'est un sondage Internet. C'est un sondage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment c'est mobilisé? Comment c'est intégré dans le rapport du comité? On ne le sait pas trop. Donc, il peut y avoir des initiatives et il y a des initiatives, mais il faut se rapprocher, si on est vraiment sérieux derrière l'utilisation de ces outils-là, d'une démarche de délibération, d'écoute, d'échange, de co-construction éventuellement. Là, c'est peut-être un peu plus loin encore dans la réflexion. Puis aussi, d'une démarche ouverte, où on ne va pas baliser toute l'expérience de participation du citoyen. Oui. L'enjeu, puisqu'il complexifie les choses, c'est qu'il faudrait que
les gouvernements actuels, dont la légitimité est basée sur un système, insufflent dans tout notre système d'éducation l'enseignement d'une culture complètement différente. Exactement. Pour que dans 20 ans, c'est énorme. Ça se passe différemment. Alors, on leur en demande beaucoup, là. C'est un gros défi, mais c'est ça notre défi de société. Et à mon avis, c'est ça, parce que ça ne se décrète pas. La collaboration, la concertation, de consulter, de gérer la frustration, de s'assurer que de l'autre côté, on aura bien compris que ce n'est pas parce qu'on s'exprime que ça va se retrouver dans les lois ou dans les décisions. Il y a un apprentissage énorme qu'on doit tous, à tous les niveaux, acquérir. Et puis c'est ça, c'est une complexité systémique qui est extrême. Et c'est ça l'enjeu du numérique, pas de la technologie. C'est qu'à mon avis, le numérique, c'est ça. Le numérique, c'est cette nouvelle manière d'envisager les relations sociales, les relations au temps, les relations à l'espace. Puis on va y revenir à la prochaine question. Mais donc il y a un enjeu qui est un enjeu de société. Et avec, en plus, pour faciliter les choses, des célérités, des vitesses de transformation qui sont sans doute sans commune mesure avec ce qu'on a vécu dans le passé, qui font qu'on est toujours dans des systèmes où on n'a pas le temps de s'adapter. Les stratégies d'adaptation marcheront jamais. Donc on est toujours en réaction, ce qui fait que malheureusement, peut-être que la cassure ou la rupture à un moment sera la seule chose qui va nous faire changer. Faire table rase et repartir à zéro. Je suis tellement d'accord avec M. Roche. Oui, totalement, parce que moi, je le vois souvent comme praticienne où on attend une espèce de solution miracle technologique qui va... Non, c'est large. Vous devez tous être davantage formés. Vous devez tous apprendre davantage. C'est comme ça partout, tout le temps. C'est toujours ma réponse. Et actuellement, même en politique, les élus ont avantage à maîtriser davantage les outils, parce que c'est pas juste du porte-à-porte. Il faut faire du porte-à-porte numérique d'une certaine façon. Il ne faut pas juste faire des conseils d'arrondissement dans une pièce. Il faut peut-être utiliser des outils numériques pour être capable de perpétuer les conversations, les discussions, les débats au-delà de seulement dans le réel. Et on ne peut pas remplacer le réel par le numérique. C'est quelque chose qui est maillé, qui doit rester maillé. Et tout ça, je suis absolument d'accord. La meilleure chose qu'on peut faire pour la société québécoise, c'est d'investir dans l'éducation. En éducation. Puis c'est un changement de culture radical et qui n'implique pas uniquement c'est pas juste fonctionnel, là. C'est tout. C'est tout avec une nouvelle... avec un des éléments qui intègre le numérique. Notre rapport au monde est changé par le numérique. Et il faut que ça soit intégré, en fait, dans notre façon d'apprendre à être dans le monde. C'est très radical, au fond. Hein? Oui, ce que vous dites, là, ça peut faire peur, effectivement. Monsieur Jeannot? Il y a un peu la difficulté pour les institutions et nos différents décideurs à aller vers les citoyens pour aller chercher leur contribution. Ils ont tendance à dire « Hey gang, venez ». Rentrer dans notre moule, rentrer dans nos assemblées de conseils qui commencent à telle heure, à tel endroit, vous vous déplacez. Vous allez attendre pour ça, c'est ça, ce projet-là. Vous allez attendre 2 heures avant que votre point que vous voulez traiter va arriver. On va être probablement impoli avec vous aussi, ça arrive souvent. Les élus ne sont pas toujours gentils avec les citoyens. Surtout quand c'est des citoyens qui ont des revendications, qui ont en droit d'exprimer. Absolument. Après ça, il y a les styles de politiciens. Il y en a qui sont très bons pour sentir écoutés et, travailler ça. Mais en bout de ligne, c'est que ça n'a rien à voir... Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la technologie. Mm-hmm. Ça a tout à voir avec la posture qu'on va développer et dont la technologie permet de faciliter une norme. Mm-hmm. Fait que quand nous, on essaie de présenter un peu notre approche avec Vote pour ça... C'est dire, quels sont vos besoins? Quelle information vous voulez aller tirer du citoyen? On va aller à sa rencontre. On va aller dans la rue. On va aller dans les cafés. On va aller dans les lieux publics. Vous jouez ce rôle de médiation que le on va aller chercher. Vous n'êtes pas capable de le faire. On comprend ça. Utilisez-nous. On va aller le chercher. On va pouvoir digérer l'information pour vous. Et on va vous ramener cette information-là. Et les personnes, bien souvent, là, quand on est sur la rue puis on dit, on est là pour... vous écoutez, vous posez des questions, 80% de taux de participation. Mm-hmm. C'est parce énorme. Je pense qu'il y a une volonté claire de la part des citoyens de participer aux décisions.
de la vie publique, participer à l'élaboration des politiques publiques. Pas nécessairement si grande que ça, mais elle est là, latente, cette volonté-là de la part des citoyens. À partir du moment où on réussit à convaincre le décideur public que de se doter de nouveaux outils pour se connecter sur cette intelligence citoyenne-là, à partir du moment où il comprend que la solution au problème qui le confronte n'est plus à l'intérieur des murs de son organisation, mais à l'extérieur, ça, c'est un élément qu'il faut réussir à faire passer. Une fois que cette idée-là est passée, que l'intelligence collective peut aider à résoudre des enjeux publics, bien là, on est capable de faire des choses. Puis ça, pour moi, cet élément-là, c'est une évolution de l'administration publique. Il faut que les administrateurs comprennent que la gouvernance de demain sera nécessairement numérique parce qu'elle sera le fondement d'une budgétisation basée sur les résultats. Mais on va comme ça vers une gouvernance davantage partagée. Ben oui, nécessairement. Alors, c'est ça aussi, là. Nécessairement. Non? Il faut réussir. Je sais pas. L'administration publique consulte beaucoup. Elle le fait beaucoup par groupe de discussion. Ouais, c'est la nouvelle mode. Ouais. On fait beaucoup. Et donc, on n'est pas dans le numérique encore. Non, on va chercher des citoyens qui sont des représentants de cibles, de segments de la population auxquels on veut parler, que l'on veut mobiliser, puis on leur pose des questions. Puis on a des discussions très ouvertes, très franches, pas trop balisées. À porte close. Oui, ben oui, un groupe, puis un miroir, puis il ouais, y a des gens qui prennent des notes derrière, oui. Mais on en fait plusieurs, donc. Mais c'est certain qu'on est dans des pratiques plus convenues de consultation puis de collecte de données. On n'est pas dans la consultation ou dans de la population. Dans la grande délibération non plus. C'est pas la même chose. Mais loin de l'agora grecque, disons, c'est pas ça. Là. C'est aiguillé. On vous demandait de réfléchir aussi à des initiatives locales, mais à tout ce désir qu'on entend exprimer beaucoup au Québec, souvent de décentralisation des pouvoirs. Alors, il y a quand même actuellement, vous en avez donné des exemples, des initiatives locales qui améliorent la participation citoyenne dans des domaines assez variés. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets d'initiatives technologiques locales qui auraient amélioré la démocratie? Et est-ce qu'une meilleure démocratie, ça passe nécessairement par un plus grand pouvoir aux villes et aux régions? Parce que, je reviens à l'idée de la décentralisation, est-ce que la technologie ne peut-elle pas aider à décentraliser les pouvoirs gouvernementaux, que ce soit dans une ville auprès des citoyens de cette ville ou auprès d'autres régions plus éloignées des centres du pouvoir? Alors, plusieurs questions encore en même temps, M. Gauthier? Ben, moi, je vous dirais qu'il faut sortir un peu du Québec parce qu'il y a des choses qui se vivent à l'extérieur qui sont drôlement porteuses là-dessus. Aux États-Unis particulièrement, il se passe des choses intéressantes. Encore une fois, ce ne sont pas... Je vais vous parler de quelques solutions technologiques, mais l'enjeu n'est pas technologique parce que ces solutions-là, elles existent. On n'a pas besoin de les inventer. On est toujours au Québec en train de penser qu'il faut réinventer l'eau chaude. Il existe l'eau chaude. On peut juste prendre ce qui existe ailleurs souvent, puis de s'en servir pour construire à partir de ça. Donc, aux États-Unis... Il y a des choses qui se font... Quand on peut faire chauffer notre eau. Oui, complètement. Exemple, des villes qui vont faire des projets d'appel d'offres collaboratifs. Donc, la technologie va être utilisée pour faire participer le citoyen directement au processus complet de suivi, de réalisation de l'appel d'offres, de suivi, l'exécution des travaux, parce que le citoyen est équipé avec des moyens aujourd'hui, pour suivre, prendre la photo, est-ce que l'épaisseur de l'asphalte qui se pose dans ma rue est à la bonne épaisseur, etc. Tous ces moyens-là de participation citoyenne à l'élaboration puis au suivi d'exécution des travaux sont des moyens novateurs qui peuvent permettre à la ville de prendre des décisions puis de s'assurer effectivement de lutter contre des petites problématiques qu'on connaît de collusion, etc. Et d'aller chercher une meilleure acceptabilité sociale des travaux. Si on avait fait ça pour l'amphithéâtre, on n'aurait peut-être pas les mêmes débats. Puis en même temps, il y a le risque que l'attention se focalise sur des détails qui font que... Chaque fois que l'attention se focalise sur des détails, Il faut que ce soit structuré dans une méthode qui fait en sorte que ces nouveaux moyens-là sont mis à profit dans une perspective de bien commun. De mise à profit pour le bien commun. C'est l'exemple de la Suisse. C'est l'exemple de la Suisse et puis des référendums locaux qui fait qu'un problème à Genève, par exemple, un problème énorme d'engorgement du trafic, ça fait 35 ans qu'ils n'arrivent pas à le résoudre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui est proposée, il y a toujours un groupe quelque part qui fait un référendum et vient empêcher les choses de se passer. Donc, on est aux deux extrêmes d'un continuum entre, d'un côté, l'hypercentralisation et de l'autre côté, une décentralisation qui remettrait le pouvoir entre les mains du peuple avec tous les risques que ça comporte. Donc,
Mais l'idée ouais. de mettre en commun le savoir-faire scientifique qui se crée dans nos universités et le savoir-faire de la société civile, qui est tout autour des civil tech, de tout ce qui se développe. C'est des formes d'intelligence qui sont là, qui existent, et malheureusement, qui ne sont pas prises en considération suffisamment pour ce qu'elles pourraient être dans la transformation des organisations publiques. Donc, il y a moyen de mettre en commun ces gens-là. Mais ça se fait déjà. Est-ce que vous avez des exemples réussis cette fois? Non, mais il y a plein d'exemples. Je me souviens d'exemples, par exemple, c'est au Québec, j'en ai pas comme ça, là, mais... à Chicago, je crois, toutes les expérimentations autour de l'utilisation d'approches ludiques, en bon français, la gamification, là, par le jeu, on va chercher la collaboration des citoyens pour essayer de mettre en place des projets d'aménagement urbain à l'échelle des quartiers qui soient beaucoup plus en prise avec. Avec une prise en compte de c'est l'intelligence citoyenne ou de la connaissance locale, comme on l'appelle. Donc ça, il y a plein d'exemples. Et puis la technologie peut aider, mais il n'y avait pas que la technologie. D'ailleurs, il y avait aussi un mix entre des rencontres de type urbanisme tactique. Là, ça, c'est des choses intéressantes, je trouve, là, dans le contexte des villes. Là, on voit réapparaître beaucoup à ce que vous faites, M. Janot. Encore une fois, on tasse la technologie 2 secondes, puis on ramène la technique. Oui. Donc, dans l'urbanisme tactique, dans le design participatif, on voit des façons, urbaine, les charrettes de design. Oui, absolument. J'étais à Paris à un colloque. Expliquez un peu, qu'est-ce que c'est une charrette de design? Non, bien, je vais vous donner un exemple très concret. Il n'y a pas de chevaux, alors. Il y a des designers. Des chevaux en algorithme. C'est des designers qui traînent. Voilà. Des étudiants en design qui traînent. Voilà. Non, bien, un cas que j'ai appris. J'ai rencontré un Suisse qui est architecte, qui est au Brésil, à Recife. Il y a une rivière qui est à peine utilisée, un peu comme... fin des années 80, 90, début 90, avec la rivière Saint-Charles, donc qui avait un usage très, très pauvre de la rivière. On sous-utilisait la rivière. Et il a fait mobiliser toute une équipe d'étudiants pour aller sonder les différents commerçants sur le bord de la rivière, les habitants, pour leur poser 3 questions. Comment vous arrivez à la rivière? Comment vous interagissez avec la rivière? Et comment vous traversez la rivière? À partir de ces 3 questions-là, on fait tout un exercice de co-design, co-construction, design participatif avec les résidents, avec les petits commerçants là, qui arrivent avec leur trolley, avec leur bouffe. Et dans l'espace de 1 an, avec l'équivalent de 50 000 $ seulement, ils ont complètement revitalisé avec des interventions très ponctuelles. L'habitude a commencé à changer, il y a un dynamisme qui a grossi, il y a une activité économique qui s'est construite, qui a continué la revitalisation et élargi la portée de la revitalisation. Oui. Rien à voir avec la technologie. Et puis là, ce qui est intéressant, là, c'est que ces initiatives-là, si elles restaient complètement locales, bon, ce serait intéressant pour le local, mais on perdrait une capacité de mise à l'échelle. Puis là où l'approche... où la stratégie numérique peut avoir un rôle à jouer, c'est que... Puis l'exemple que j'ai, c'est le mouvement Occupy. Vous vous souvenez, là, quand il y a eu à peu près partout sur ces la planète... Ces campements dans les villes. Campements. Ils étaient connectés. Puis en fait, il y avait à chaque fois une déclinaison et un enracinement local avec des demandes qui étaient spécifiques au local, mais qui se rattachaient quand même à des grands enjeux internationaux. La contestation du néolibéralisme. Absolument. Puis il y avait même un partage des plans d'aménagement. Il y a des plans d'aménagement qui ont été conçus pour comment installer les mouvements Occupy, puis qui ont été partagés. Grâce aux réseaux du local à l'international, il y avait ce dialogue. Puis c'est là cette approche d'acupuncture urbaine que je trouve intéressante, parce que tu sais, c'est pas du saupoudrage. C'est on vient apporter le bon traitement là où il faut, mais local, souvent hyper local, mais avec une conscience que ça va avoir des effets sur l'ensemble du réseau et de la structure urbaine, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, nos villes sont construites sur des réseaux
de lieux, d'hyperlieux, et que les dynamiques urbaines se construisent autour de ces réseaux-là. Mm-hmm. Et qu'intervenir voilà. à un endroit, c'est... Est-ce que, je reviens, que ce soit local ou régional, les citoyens demandent souvent, c'est le discours, me semble-t-il, qu'on entend, se dessiner, s'affirmer depuis quelques années, un plus grand pouvoir, une plus grande capacité de peser sur les décisions politiques qui vont changer leur vie. Alors, je repose la question, est-ce que les technologies peuvent, de communication, tout ça, peuvent aider les citoyens dans une région ou dans un quartier à développer plus de pouvoir politique? Bien oui, bien sûr. Moi, je l'observe dans mon quartier. Puis bon, des fois, on n'est pas obligé d'inventer une application super qui permet... Parce qu'on est souvent dans ces dynamiques-là, parce que ça permet de postuler puis de gagner des prix pour des gens, des agences, etc. Des mais prix il y a aussi ou juste... contrats, oui. Exactement. Mais qu'on pense juste dans mon secteur, par exemple, les citoyens s'approprient de plus en plus le terrain et communiquent beaucoup à travers Facebook. Il y a des groupes qui se créent, des pages qui se créent. Moi, j'ai créé avec des voisins. Il y a un endroit qui a été pris d'assaut pour faire un jardin citoyen. Et là, il y a une communication continuelle pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui aille l'arroser, le désherber, etc. Puis ça permet un contact avec les voisins. Alors, on se conscientise qu'on a un problème d'un bâtiment qui est abandonné, etc. Fait que nécessairement, il y a une communication, il y a une rencontre qui se fait. Puis c'est à cause des outils numériques. Parce que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, la communication aurait été beaucoup plus difficile. Oui, elle aurait peut-être eu lieu quand même, mais c'est facilité. C'est fluidifié, oui, c'est oui. rapidifié. J'ai inventé un mot. En tout cas, c'est accéléré, je veux dire. Bref, et tout ça fait en sorte que ces outils-là sont au service du citoyen d'une certaine façon et permettent de se réapproprier, à créer un espèce de sentiment d'appartenance aussi qui est important dans la mobilisation politique, là, on le sait. Et bref, moi, je l'observe sur le terrain là, de façon flagrante. Voilà un exemple très situé. Thierry Jasson. Dernier élément, je pense, puis on n'en a pas en fait beaucoup parlé, mais c'est toute la manière dont les technologies ont modifié la production de l'information. Les gouvernements rendent accessible de plus en plus des volumes assez importants de données. Ils libèrent leurs données sans nécessairement donner des outils qui permettent de visualiser, de traiter ces données-là. D'interpréter. Et voilà, d'interpréter les données. Donc, ce qu'on observe, c'est des organisations, voire même des initiatives locales qui développent des rapports, des analyses qui sont rendues publiques sur les espaces numériques où on exploite ces données-là. On explique des phénomènes sociaux à partir de ces données-là. Le journalisme de données, par exemple, qui est une nouvelle forme de journalisme qu'on commence à voir au Québec. L'Actualité a sa cellule de journalisme de données, la presse, Radio-Canada, le Journal de Montréal. Donc, on mobilise, en fait, on fait parler des chiffres qui sont rendus, les chiffres puis autre chose, qui sont rendus disponibles par les gouvernements. Et puis, le dernier élément qui est intéressant aussi, et là, on est plutôt au niveau de la mobilisation citoyenne, c'est l'hyperjournalisme local, où là, des citoyens créent des médias d'information, animent ces médias d'information-là, qui sont, on appelle ça de l'hyperjournalisme local, parce que c'est hyper local. C'est dans un quartier, à Rosemont, il y en a un, à Limoilou, il y en a un. Donc, et ce sont des citoyens qui produisent de l'information, qui deviennent les producteurs d'information, qui sont les gatekeepers, qui offrent un contrepoids. Mais c'est pas nouveau. On réinvente des choses qui sont. C'est pas nouveau, mais séculaires. C'est facile. Parce que les gazettes locales, elles existent. Mais ça crée aussi toute une zone de flou. Mais c'est une différence. Après, on peut discuter. Mais souvent, il faut comprendre que l'hyperjournalisme local, les initiatives qui sont créées, il y a des codes de pratique. Il y a aussi habituellement des journalistes, des anciens journalistes qui ont travaillé dans des organisations professionnelles qui sont qui collaborent à ça. Et donc, il y a toutes sortes d'expériences, mais ces expériences-là sont révélatrices de la capacité que peuvent avoir les citoyens à mobiliser ces plateformes-là, qui sont des plateformes qui permettent de produire de l'information à bien moindre coût, une information qui est intéressante, qui est parlante et qui va concerner de façon très précise les membres d'une localité. Tu sais, on pourrait prendre juste le cas de vote pour ça, parce que sans vendre notre organisation, c'est qu'on est très symptomatique de l'air. Tu viens de le faire trois fois. Donc, juste la bombe. Ça se met. Mais c'est quand même symptomatique de la facilité avec laquelle on est capable de lancer de quoi. Que ce soit un média hyper local ou que ce soit un organisme, tu arrives, tu trouves un... Puis là, ça revient au propos de Jean-François. On se trouve un Google Drive,
un compte, on se part un chiffrier, on se part un Google Form. Voilà, je fais de la participation citoyenne. Et tu viens de tout donner à Google. Oui. Oui. Et, non, mais il est là l'enjeu. Mais ça donne une multiplication de petits organes, hein, de communication citoyenne, ouais. Mais une fragmentation également. Est-ce qu'il ne faut pas, pour, si on parle de pouvoir et de démocratie, que toutes ces voix-là se réseautent ou... est à un moment donné une sorte d'action collective. La fragmentation n'est pas fondamentalement mauvaise. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'informer vont s'informer à différentes sources. Oui. Les gens qui vont consulter leur hypermédia local dans Rosemont ou dans Limoilou vont aussi très fort probablement consulter des sites d'information traditionnels, oui. Des médias probablement en support traditionnel aussi. Vont lire un journal, vont écouter la radio, vont regarder un bulletin de nouvelles. Oui. Les gens qui s'informent à de multiples canaux et cette information-là s'ajoute. Et là, on parle de citoyens qui ont envie d'être bien informés. Ah, voilà, ce sont des hyper-citoyens. C'est ça. Des gens qui ne sont pas, monsieur et madame tout le monde. Un dernier mot avant qu'on passe aux questions. Monsieur Roche. Alors, un dernier mot. Alors, je vais changer le mot que je voulais. Parce qu'il y avait une question qui portait sur les villes et leur... est-ce que le numérique pourrait... donner plus de pouvoir aux villes, etc. Oui, aux villes ou aux régions, décentraliser le pouvoir politique. Puis moi, je pense que la question ne se pose pas, c'est en train de se faire. Mmh. On le voit, tous les indicateurs le montrent. Puis je crois que, mais c'est une hypothèse, hein, mais une piste qui m'intéresse beaucoup, c'est que je crois que le numérique est aux villes du 21e siècle, que les bateaux étaient aux villes maritimes du 10e ou 13e siècle. Souvenez-vous, ces grandes villes des États... des républiques indépendantes, bon, souvent basées sur des oligarchies, là, mais quand même, qui, finalement, avaient construit leur assise et leur pouvoir sur leur capacité à réseauter puis à communiquer l'information, le savoir, les richesses. Ce que font aujourd'hui les grandes villes qui se réseautent et qui, dans des compétitions pour savoir est-ce qu'on va être la ville intelligente, la communauté intelligente, en fait, se réseautent à travers le numérique, développent leurs capacités numériques. Et deviennent les véritables moteurs des pouvoirs économiques et politiques. Oui, bypassent de plus en plus les États nationaux, qui, eux, sont pris en plus avec des enjeux de sécurité, de fermeture. Puis on voit un clivage qui n'est plus du tout un clivage ville-campagne comme on le connaissait auparavant, mais qui est un clivage entre urbanité fortement densifiée à forte altérité et regroupement humain peu densifié avec peu d'altérité. Et c'est ça le clivage qui est en train de se produire. Et on voit ces grandes villes. Les Nations Unies nous disent aujourd'hui, c'est 50% de la population qui vit dans des villes. En 2020, ce serait presque 80%. 80%, oui. C'est 2% de la population de l'espace planétaire qui est occupé par les villes. 70% de l'énergie consommée et 80% des rejets dans l'atmosphère, gaz à effet de serre. Donc, ce phénomène-là, il est galopant. Donc, oui, le numérique va changer les choses. Alors, on aura d'un côté des grandes multinationales comme Google ou Amazon ou enfin des grandes entreprises ou ExxonMobil et d'autre part des gouvernements, des villes qui vont gouverner leur part de grand réseau. Et qui vont se réseauter. Bon, les citoyens sont représentés par leurs représentants. On est dans un système de démocratie représentative. Dont on vient de dire qu'il était imparfait. Maintenant, si nos représentants ne représentent pas nos intérêts, évidemment, ça pose un problème. Je crois que cette valeur-là, je pense qu'elle échappe à personne, mais il ne suffira pas de la cartographier et puis de la rendre explicite. Il va falloir que dans le système de décision, cette voie-là puisse avoir une autre emprise et un autre effet que seulement celui du vote. Mm-hmm. Moi, je crois que, pour revenir sur la première question, est-ce que nos démocraties vont bien, je crois que nos démocraties représentatives vont très mal. Je crois qu'on arrive, mais là, je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas de données. Est-ce que le concept, construit comme ville intelligente par tous ces réseaux niveaux, est-ce que ça aide à faire surgir... La ville intelligente, citoyenne. Oui et non, c'est-à-dire que c'est l'idée de ville intelligente, c'est une ville connectée, ouverte et dans laquelle les parties prenantes doivent s'engager. Mais
On pourra bien le porter et le présenter comme un concept à développer si jamais la structure de gouvernance, la structure législative, les processus décisionnels restent ce qu'ils sont, ça ne changera pas grand-chose. Tout ça restera des vœux pieux. Donc, ce n'est pas parce qu'on va décréter que Montréal a fini première au classement l'année dernière dans au classement de l'Intelligence Community Forum que du jour au lendemain, la voix des citoyens va être systématiquement entendue. Elle est entendue, est-ce qu'elle sera prise en compte? Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que la ville intelligente soit vraiment un lieu de participation citoyenne facilité? Enfin, je pense qu'une des premières choses qu'il faut réussir à faire, c'est de changer la culture actuelle d'évaluation. C'est pas compliqué. Actuellement, les organisations sont dans une culture d'auto-évaluation. La reddition de comptes, c'est eux-mêmes qui se la font. Ils décident de leurs propres objectifs et ils décident s'ils les ont atteints. Et en général, ils performent très bien, n'est-ce pas? Parce qu'ils se comparent avec quoi? Ils se comparent avec eux-mêmes, ce qu'ils ont décidé de se comparer. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur. L'intelligence, c'est de pouvoir prendre une décision éclairée en ayant des indicateurs neutres et indépendants qui nous permettent de nous comparer ce qui se fait ici versus ce qui se fait ailleurs dans le monde, n'importe où ailleurs dans le monde. Comparer des pommes avec des pommes. Mais on sort de la ville intelligente. Clairement au cœur de la ville intelligente, ça. Une ville intelligente, c'est une ville qui est capable de prendre des décisions intelligentes. Donc, appuyer sur les données, sur des indicateurs qui sont clairement définis, qui sont standardisés. Mais l'un des indicateurs, ça devrait être non pas les attentes, mais les besoins des citoyens et leur degré. Puis leur donner la capacité de se prononcer. Oui, Monsieur Jeannotte. On a tellement de la difficulté à aller au-delà des cadres juridiques qui imposent. Tu sais, c'est beau la ville intelligente, mais dans ce cas-ci, ça ne s'applique même pas. Parce que le port ne répond à aucune autre exigence que le contexte fédéral. Donc, on est dans la séparation des pouvoirs. Puis, la ville a très peu de leviers. Elle a certains leviers. Le gouvernement du Québec a certains leviers. Mais, en général, très peu de leviers pour imposer au port ou à un aéroport ou n'importe quoi qui tombe dans les compétences fédérales à s'accoter sur les évidences, donc les faits que la ville intelligente pourrait ramasser, que ce soit sur les impacts environnementaux, des décisions, des activités. On ne s'entend même pas sur À moins que les citoyens soient capables de faire la démonstration, je parle du système actuel, de faire la démonstration claire que cette décision-là, qu'une décision qui irait à l'encontre de l'opinion majoritaire des citoyens, va coûter des sièges, voire la victoire au parti politique qui est en place. Si cette démonstration... C'est terrible ce que je dis là, mais c'est la réalité. Tant et aussi longtemps que les citoyens ne sont pas capables de faire la démonstration que leur mobilisation va faire tomber un gouvernement, les gouvernements vont faire ce qu'ils veulent. Mais c'est plus qu'un gouvernement. Dans ce cas-ci, c'est à la fois le maire, le premier ministre et... Vous savez, c'est trois niveaux de gouvernement. On parle d'une juridiction fédérale. Oui. Ben à ce moment-là, il faut envoyer des messages au gouvernement fédéral. Mais c'est fait. Ça fait des années qu'ils le font. Puis, en tout cas... ça fait des années. On a signé une pétition juste avant 2012. 250 000 signataires québécois qui demandaient la destitution du premier ministre à toute fin pratique. Du premier ministre fédéral? Non, provincial. Charest. Il y avait la plus importante pétition jamais signée dans l'histoire du Québec. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une correspondance entre ce qui est exprimé et puis le vote dans cette circonscription-là au niveau fédéral? Parce que moi, je suis toujours surpris de voir quelquefois le décalage qu'il y a entre le résultat des votes et puis ce qui est exprimé alors que le député... C'est un conservateur qui a été élu. C'est un de nos étudiants, d'ailleurs. je ne connais pas le contexte, mais tu sais, on parle de quelle circonscription? Beauport-Limoilou, donc député conservateur au fédéral. On avait un député qui était très engagé, Raymond Côté, qui était quand même en général du bord des citoyens à les appuyer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est un conservateur qui, évidemment, T'sais, je ne critique pas, là. Il y a une redéfinition aussi de la circonscription. Oui. C'est une chose dont on n'a pas parlé. Ouais. Ah. Combien la technologie aujourd'hui et l'analyse de données... C'est parce que la géographie électorale, là, et puis le découpage des circonscriptions... Manon Massé à Montréal. Là. Et puis ça, on voit bien cette stratégie-là. Ça, c'est un... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était complètement...
Je sais, il n'y a pas de régime parfait, mais la façon dont tout ça se produit m'a toujours étonné. Parce que les jeux, puis aux États-Unis, c'est sans doute pire, là. Le gerrymandering. Le redécoupage de la carte électorale, mais. Qui fait qu'on va. À des fins partisanes. Absolument. Au Québec, ce n'est pas le cas. Québec, ni au fédéral. C'est une commission indépendante. Qui est intégrée à l'intérieur d'une personne morale qui relève du Parlement. Absolument. La partisanerie est hyper balisée. Oui, absolument. Faut pas tomber là-dedans. Ce qui est particulier, c'est la surprise par rapport à... Oui, parce que les comtés, les gens des comtés de Mont-Royal et Outremont ont été consultés, ont eu deux ans pour se préparer et refuser. Et pas les gens de Sainte-Marie-Saint-Jacques à qui on donne 3 semaines pour se retourner, pour éviter la disparition de leur circonscription. Alors là, est-ce que c'est à ce point-là démocratique? Il se retourne en ce moment. Malgré l'indépendance de l'organisme? Il se retourne en ce moment. Il faudra voir ce que le directeur général des élections va faire avec ça. La loi n'est pas passée. Alors déjà, si on part avec la prémisse qu'on va s'en faire passer une par le gouvernement, bien, on va s'en faire passer une par le gouvernement. Donc, il y a des consultations publiques, il faut déposer des mémoires, il faut aller faire des représentations. Vous allez le faire, c'est certain, et dire clairement aux élus que si ça passe, il va y avoir des campagnes concertées pour les battre. Mais ça demande un énorme travail de mobilisation. Mais ils sont déjà très mobilisés. Après, c'est ce qu'on dit aux élus. Et si les élus fonctionnent par menace, bien, il faut que les citoyens fonctionnent par menace. Puis le gouvernement ne s'engage pas dans des slaps habituellement, puis il y a une législation maintenant qui balise les poursuites abusives. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Puis vous êtes en première ligne. Continuer à le faire, puis aller dans les audiences publiques, aller dans les commissions parlementaires, posez-leur c'est la pression est énorme sur les citoyens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. C'est un nouvelle privilège ou pas, d'être invité Jeannot. En absolument. Commission parlementaire pour déposer un mémoire. C'est vrai. Je disais, quand demande à une gang de citoyens, tu as 3 semaines, rédige un mémoire. Parce que le fardeau, puis un des problèmes avec le PAS, c'est le fardeau de la preuve n'est pas sur le promoteur, mais sur le citoyen. Sur le citoyen. Alors qu'on a une loi du développement durable qui fixe des principes qui, techniquement, devraient forcer non seulement les promoteurs, les ministères, les agences, de fonctionner avec quoi? Prévention et précaution. C'est vrai. Donc, dans le doute, le promoteur a le fardeau de la preuve. C'est vrai. Donc, il y a toute cette dynamique-là où on dit, bien, prouvez-nous que, ils l'ont-tu fait? Ils l'ont fait à maintes et maintes reprises. Donc là, tu veux qu'on aille en commission parlementaire, tu veux qu'on se fasse inviter pour aller en commission parlementaire. Il faut arriver avec des données probantes, donc des experts. Il faut avoir accès aux données probantes. Il faut se mobiliser, il faut avoir la compétence en termes d'affaires publiques, de relations publiques pour monter un dossier qui médiatiquement crée l'impact pour faire renverser les politiciens sur certaines décisions. Alors, qui revient à une des choses que nous, on avait constatées, vraiment pas au même degré. Quand la salle est à moitié vide dans un conseil de quartier, puis tu dis, ouais, mais le conseil de quartier s'est prononcé en faveur, c'est-tu représentatif? Les référendums locaux, quand sont à peine utiles, lorsque ça te prend 10, 15 ou peut-être 20 personnes pour ouvrir un registre et bloquer un projet d'un promoteur, tu dis, bien, est-ce que c'est un outil qui est légitime? Donc, qui revient à la technologie. Est-ce que la technologie de ce référendum-là est efficace et utile et, en effet, est un levier de négociation important pour les citoyens? Oui. Est-ce qu'il est utilisé de façon optimale pour y accorder la légitimité? Non. Mais le fort à Québec. Oui. Tu sais, on a adopté un PPU. Un programme particulier d'urbanisme. Exact, qui a suivi chacune des étapes, qui a été adopté avec le support de la population pour un seuil de densité. Et on arrive avec un projet qui pourrait être défendu là, sur la place publique. Mais qui contrevient au PPU et au processus. Qu'est-ce que tu envoies comme signal? Bien, le mécanisme qu'on a utilisé, essentiellement, il ne vaut pas de la merde parce qu'on peut faire ce qu'on veut après. Leur niveau de littératie numérique, je crois qu'il est effectivement à peu près aussi élevé que les espoirs qu'on a de voir demain le système changer, là. Mais
Je crois qu'il y a des jeunes, les politiciens plus jeunes, peut-être les plus jeunes, mais je crois surtout que le encore une fois, hein, c'est le système de fonctionnement fait que il y a des revues de presse, ils sont alimentés, les élus. Un élu, quel que soit le palier, est alimenté, mais c'est pas lui nécessairement qui va faire ses propres analyses et utiliser les ressources numériques pour prendre des décisions éclairées. De toute façon, on s'entend que toutes les études qui ont pu être menées sur les grandes et petites organisations montrent que la décision rationnelle en politique en général n'existe pas, en politique, mais même en gestion des entreprises, hein, n'existe pas, et que la plupart des décisions sont prises de façon au mieux rationnelle limitée, là, mais certainement pas en suivant un processus linéaire qui consisterait à collecter les bonnes données, à les analyser, à mettre des scénarios. Et en pensant à long terme au bien commun, de la politique. Comme je travaille spécifiquement là-dessus, je vais te dire que c'est pas la réalité pour tous les partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont dans l'improvisation, qui utilisent de mauvaises données. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que les processus décisionnels de type rationnel sont pas ceux qui sont le plus mobilisés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rationalité. Mais encore une fois, selon les partis politiques, il y a des partis politiques qui suivent des processus hyper rationnels de marketing politique où ils utilisent des données très larges, très, très, très diversifiées, pas seulement des données de sondage, pour développer des offres politiques, des propositions politiques, établir des plateformes politiques et ensuite, une fois au pouvoir, mener l'action politique. Et ils continuent. Les conservateurs fédéraux l'ont fait pendant trois mandats. Et encore une fois, donc c'est à géométrie très variable. Le politicien moyen a une littératie numérique nulle. Ce qui est embêtant, par contre, c'est que dans son parti, il y a des stratèges numériques qui, eux, ont une littératie numérique hyper, hyper poussée et qui dictent à l'élu quoi faire en fonction des données qu'ils utilisent pour faire leur analyse et mener ce processus très rationnel de marketing et de positionnement. Mais vous sembliez dire que c'est problématique. C'était moins le cas au Québec qu'au fédéral. Au fédéral, les stratèges numériques sont très importants. On utilise des données, on a de très grosses bases de données. Au Québec, on utilise encore beaucoup largement pour des données de sondage. Les bases de données ne sont pas aussi approfondies. Il y a quelques formations politiques, on peut penser aux plus importantes, qui ont des bases de données, qui commencent à les exploiter de façon très ciblée. Avec des données provenant de diverses sources. Mais encore une fois, ce sont des stratèges qui font ce travail-là, des gens comme Nelly Briand. Et encore une fois, qui parfois expliquent, mais souvent dictent aux politiciens, voici ce que les données disent. Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le travail que vous faites pour des organisations. Oui, mais en fait, il y a toute une dimension, il y a toute une réflexion éthique qui est escamotée à ce moment-là. Effectivement, il y a une réflexion à avoir quand on a cette pratique-là en tant que stratège, mais il y a aussi le fait que les partis sont très contrôlants de leurs élus. Moi, je suis plus dans la formation, je ne fais plus de stratégie actuellement parce que je choisis avec qui je veux travailler, puis je ne trouve pas les choix alléchants présentement. Bref, tout ça pour dire que je donne des formations et ce que je constate, c'est que souvent, les élus sont enfermés, n'ont pas le droit, ne peuvent pas l'utiliser comme ils le voudraient parce que c'est souvent les communications qui décident qu'est-ce qui en est fait. Et c'est souvent justement dans une optique, d'une perspective de marketing, d'électoral. Et c'est pas dans une optique de on veut questionner les données pour prendre alors des décisions. Alors même les élus représentants du peuple sont tenus à l'écart d'un mécanisme ou de l'accès à des données qui les aideraient eux-mêmes à mieux comprendre la réalité et les besoins de la population. Leur formation politique, absolument. Ce qui revient un peu à ce que on dit tout, c'est-à-dire que même s'il y a des processus décisionnels, au final, il y a quand même un arbitrage qui fait que les décisions qui sont prises n'ont pas nécessairement de lien direct avec l'analyse qui a été produite. Je vais aller plus loin, dans le sens où... Monsieur Gauthier. Moi, j'en parlais d'entrée de jeu, dans mon ouverture, à savoir... Quand on comprend, avec le recul que j'ai, à peu près avec 25 ans de bagage, de connaissances de ce qui se passe dans les mécaniques de décision politique administrative, je veux dire une chose, là, si vous pensez que le politicien est au pouvoir, vous vous trompez. Okay? Vous vous trompez. Le pouvoir que nos élus ont réel, c'est pas du tout ce qu'on pense qu'ils ont. On est aux prises dans un système dans lequel on a créé des machines
qui sont hyper puissantes et qui sont aux prises, parce qu'il y a du monde en dessous de ces machines-là, les gens qui travaillent dans les la fonction publique, les ministères, les organismes publics. Il y a des gens qui veulent innover, des gens qui veulent que ça change. Il y a une couche de gestion qui est établie, qui se sont fait nommer dans des fonctions, qui, eux, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est la pérennité du système, parce que le système les a amenés là où ils sont. Les algorithmes. Donc, la prise de risque pour eux, là, on oublie ça, là, hein? Donc, vous parlez de hauts fonctionnaires, de sous-ministres. Évidemment, et eux sont là pour assurer leur propre pérennité. Mm. Donc, évidemment, oui, devant ça, la capacité, quelle est l'information qu'on va transmettre à l'élu? Est-ce qu'on va lui donner dans sa note de briefing les bonnes informations? Mm-hmm. Pas sûr. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça, tous les deux? Oui. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous retirez les uns les autres de cette discussion qui est allée dans... Enfin, les questions étaient très larges, alors, mais je pense que ça a été... L'idée qu'on on va devoir s'en aller vers un changement de paradigme politique... C'est vraiment sinon, justifié, hein? Oui. Sinon, les choses ne bougeront pas. Et je pense que c'est... comme le politologue en moi est interpellé par cette réflexion-là. Évidemment, on se la fait constamment... Mm-hmm. Dans nos travaux, mais d'entendre des gens qui sont sur le terrain, qui vivent la réalité politique, mm-hmm. Qui vivent le système et qui voient la difficulté de l'arrimage des valeurs numériques, des valeurs du numérique avec les valeurs intrinsèques à notre système politique, c'est... Troublant, ça m'interpelle. Oui, oui. Et, ouais. Moi, je trouve qu'il y a un climat actuellement qui est propice au Québec. Moi, je pense que l'arrivée de Trump peut être une opportunité pour le Québec et le Canada de se démarquer sur la scène mondiale. Si on est capable de bien acter les valeurs de transparence, de participation puis de collaboration, puis de vraiment en faire un modèle, on peut faire ça au Québec. Puis il y a je vois actuellement une volonté, en tout cas, les gens sentent que le changement de posture mentale est requis plus que jamais et qu'ils se doivent pour prendre le virage de ce qu'ils doivent faire comme évolution, comme innovation, bien, les gens se rendent compte que c'est par l'ouverture, la transparence et la participation qu'ils vont y arriver. Et je vois des exemples. De ça, je travaille beaucoup avec le scientifique en chef, le gouvernement du Québec. Oui. Une volonté, on sent une volonté chez un certain nombre de décideurs de prendre ce pas-là et d'ouvrir. Mais est-ce que le gouvernement québécois, d'après vous, avec sa stratégie numérique annoncée... Faut pas lui demander... Non, c'est pas du tout la même vision, là, d'accord? Non, c'est parce que j'ai été un peu impliqué beaucoup dans ce dossier-là. On a travaillé très fort. On est allé chercher l'engagement du premier ministre en 2014. C'est nous qui sommes allés chercher sur une stratégie numérique. Mais malheureusement, parce que ces valeurs-là qu'on porte en nous, ces principes-là de transparence, de participation, de collaboration sont fondamentales, moi, je ne peux pas participer à un exercice téléguidé de sondage sur Internet qui est basé sur le contrôle du message. Oui. Malheureusement, je suis... Et c'est ce que vous voyez dans ce que l'action... C'est des valeurs. Ces valeurs-là, principes-là que je ne vois pas dans ce qui se fait actuellement. Oui. Moi, je suis en partie d'accord sur la partie numérique, d'appel à participation et de cette mise en œuvre de cette stratégie numérique. Donc, les outils numériques ont été très mal utilisés pour développer la stratégie numérique. Ce qui est un peu dommage. Mais moi, je reste... Je pense qu'il vaut mieux ça que rien. Et donc, je reste... Vous êtes prêt à parier par exemple, on rigolait sur en ce moment, là, le ministère organise des séances de consultation publique. Tu sais, il y en a eu une à Montréal aujourd'hui. La semaine dernière, il y en avait une à Saguenay. Enfin, il y en a... Et puis mercredi, il y en a une à Québec. La semaine prochaine, à Sherbrooke. Ensuite, Gatineau. Enfin, bon. Donc, il y a cette volonté de dépasser les limites dont ils sont conscients de la plateforme qu'ils ont mise en œuvre. Je crois que c'est notre responsabilité. Hein. On a suffisamment, ce soir, dit combien il fallait qu'on s'engage chacun à notre niveau. Et donc, ne pas s'engager alors qu'on y est invité, il ne faudra pas se plaindre si, effectivement, ce qui est mis en œuvre ne correspond pas du tout ou si on ne s'y retrouve pas. Mm. Pas parce qu'on va s'engager... que ce qu'on va dire sera forcément repris, mais au moins on aura fait ce qu'on avait à faire à titre de citoyen. Et de penser. Oui, Monsieur Janotte, votre conclusion à cette discussion. Deux idées. Ça renforce mon impression que la technologie n'est jamais un panacée. Je suis convaincu que bien souvent, les plus simples solutions, low-tech, le plus possible, vont être beaucoup plus efficaces. Mais il faut juste trouver
des fois la dissonance cognitive qui attire l'attention du citoyen, qui le canalise vers quelque chose de très constructif. Et surtout, puis ça, c'est la partie la plus importante, tu prouves la valeur de leur mobilisation dans quelque chose de concret sur la place publique. Donc, l'élément concret, ça, c'est l'articulation des élus qui est parfois mal achevée. Donc, on n'est pas capable de se rendre vers quelque chose de concret qui est l'expression de la participation citoyenne. L'autre chose, j'ai longtemps eu un passé plus revendicateur, puis avec le temps, on dirait que ça finit par... Quel âge? Non, c'est l'idée du judo. Donc, d'essayer de prendre l'énergie positive qu'un élu va te donner ou qu'une élue, on travaille très, très bien avec plusieurs des élus de Québec, en majorité des femmes. Donc, peut-être là, il y a une analyse des genres qu'on pourrait faire là, dans ce changement de paradigme-là, mais où on sent un désir, on sent aussi le constat que on s'est mal pris sur tel et tel autre dossier. Et on est prêt à changer. C'est pratique. On cherche à consulter de façon plus créative en amont des processus créatifs, en amont pour être libérés de leur charge réglementaire, pouvoir tester plus. Mais le défi de concevoir des instances obligatoires, des processus obligatoires, c'est encore tout un champ de construction là, devant nous. Là. Oui, oui. Alors que c'est dans le mot créativité qu'intervient l'immense étendue des possibilités du numérique. Hein? On s'entend, je pense qu'on s'entend là-dessus. Alors écoutez, je vous remercie infiniment tous les quatre. Madame Brière était là, elle a dû partir tout à l'heure. Merci beaucoup.